Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours fidèles à ces mardis de l'espace des sciences. Fidèles et nombreux, c'est à chaque fois un plaisir de vous recevoir dans cette salle. Ce soir, nous allons vous emmener sur les bancs de Terre-Neuve. Quelques questions pratiques avant que nous ne commencions nos échanges et que nous n'écoutions les conférenciers, des questions pratiques sur les publications de l'espace des sciences tout d'abord. Je voulais vous signaler donc que le numéro de novembre de Science Ouest est toujours disponible, un numéro qui est consacré à l'énergie, donc que vous allez pouvoir vous procurer soit par abonnement, soit auprès de l'espace des sciences. Le numéro de décembre sortira le 7 décembre prochain, donc dans quelques jours. Ce sera un numéro un peu particulier puisque vous allez pouvoir y trouver 12 portraits de chercheurs, des jeunes chercheurs qui vont être récompensés par le prix Bretagne des jeunes chercheurs, un prix qui va être remis par le Conseil régional le 5 décembre prochain, monsieur l'Espagnol. Absolument. Donc ce sera à la fois un événement important et puis l'occasion de retrouver ceux qui vont construire la recherche en Bretagne dans les années qui viennent et qui ont déjà commencé. De les retrouver, de les valoriser. Et de les valoriser. Donc rendez-vous et le 5 décembre pour la remise du prix et à partir du 7 dans Science Ouest pour découvrir qui sont ces jeunes qui font avancer la recherche. Je voulais aussi vous signaler avant d'entamer cette conférence, parce que la question a été posée visiblement à plusieurs reprises, que les conférences, cette conférence en particulier est filmée, que la plupart des conférences qui ont lieu le mardi soir sont filmées et qu'elles sont disponibles sur le site de l'Espace des sciences. Je vous en donne l'adresse, www.espace-science.org. Espace au singulier, science au pluriel, bien sûr. Toutes les conférences ne sont pas filmées. Quand ça n'est pas le cas, vous pouvez en entendre l'enregistrement audio. Et ces enregistrements audio sont également disponibles sur le site. L'ensemble des conférences du mardi sera disponible sur le site à compter dans une dizaine de jours, donc soit en audio, soit en vidéo. C'est l'occasion de réécouter des conférenciers intéressants et de pouvoir se cultiver sur des domaines très, très divers. Voilà pour les aspects pratiques. Ce soir, nous vous proposons donc un voyage vers Terre-Neuve, là-bas. Pas seulement en Bretagne, bien sûr, puisqu'il faut toujours un point de départ pour les voyages. Ça partira d'ici, ça ira vers Terre-Neuve et vers l'Islande. Nous allons le faire grâce à l'historien André l'Espagnol. Nous allons également embarquer pour ce voyage en compagnie d'Éric Morin, qui est conservateur au Musée de Bretagne. Et Éric Morin, vous êtes avec nous ce soir parce que le Musée de Bretagne, depuis quelques jours, a lancé un événement, une exposition-événement, on peut le dire, au regard de la fréquentation et du plaisir que les visiteurs ont à venir fréquenter le musée. La mer pour mémoire, on parle aussi de mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée de cette exposition ? Avec plaisir. Au premier étage des Champs Libres, donc effectivement, dans les salles d'exposition du Musée de Bretagne, vous pouvez voir l'exposition « La mer pour mémoire », une exposition consacrée à l'archéologie sous-marine, un bilan de 20 à 30 années de recherche archéologique sur toutes les côtes ouest de la France, de la baie de Seine à l'embouchure de la Gironde. Dit comme cela, ça peut paraître austère, peut-être, une exposition archéologique, des objets en plus ou moins bon état, mais je vous assure, ça vaut le coup d'y aller. Il y a une très belle mise en scène pour cette exposition, beaucoup de thèmes qui sont abordés, donc 8 espaces qui traitent tour à tour de la navigation avec des objets issus de fouilles archéologiques et qui sont des objets de navigation, des objets très rares, qui traitent également donc du commerce, de la guerre, bien évidemment, avec la pièce maîtresse de l'exposition, un canon de 74, je crois, hein, c'est bien cela, issu d'un navire qui s'appelait le Soleil Royal. C'est tout un programme. Et puis, des choses beaucoup plus attachantes sur la vie des marins à bord de ces différents navires, avec des choses très émouvantes, même, telles que des vêtements ou des restes de chaussures, des semelles en cuir. Donc, il y a vraiment
effectivement, on voit le drame qu'il y a derrière ça, parce qu'en fait, cette exposition, si elle a pu avoir lieu, c'est parce qu'il y a eu des drames, des morts, et donc des épaves qui ont été ressuscitées par le travail très, très précieux des archéologues. Donc voilà cette exposition présentée jusqu'au 27 avril, donc vous avez le temps de la voir, mais n'hésitez pas à y aller dès maintenant. Et, enfin, c'est peut-être pas la peine de se précipiter, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a foule. Il y a foule, effectivement. Il y a des files d'attente assez impressionnantes. Le dimanche, notamment, oui. C'est vrai, dimanche dernier, il y avait foule. Et donc, eh bien, un petit peu en prélude de cette exposition, vous avez gentiment, à l'Espace des Sciences, vous nous avez associé à votre cycle de conférences en co-invitant donc André l'Espagnol, qui va traiter de la grande aventure de la pêche sur le banc. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Vous restez avec nous, nous interrogerons ensemble André l'Espagnol tout à l'heure. Donc une exposition à voir tous les jours, sauf le lundi, bien sûr. On va partir en mer tout de suite. On va embarquer, j'allais dire, sur un chalutier, mais j'ai appris tout à l'heure que le chalutier n'existe que depuis 1920, c'est ça, à peu près ? Non, mais c'est seulement à partir des années 20 qu'il va effectivement pratiquer la pêche morutière. Oui. Donc comme notre voyage va commencer bien avant cela, on partira sur d'autres types de navires. André l'Espagnol, vous êtes historien, universitaire. Vous êtes un Breton de la mer, mais pas forcément de la côte nord. Non, non, non. Je suis né à l'ouest, dans la presqu'île de Crozon. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes à et j'ai vécu au sud, mais dans un autre port, à La Turballe, dans la presqu'île de Guérande. Tout cela, c'est en Bretagne, mais pas sur la côte nord. Comment est-ce que vous avez été amené à vous préoccuper, à vous intéresser, à vous pencher sur la pêche à la morue ? Ah, c'est un autre parcours qui est lié à mes études, là, puisque j'ai fait mes études d'histoire à ce qui était à l'époque la faculté des lettres de Rennes, Place Hoche, pour les anciens, avant que cette faculté ne se déplace à Villejean. Et c'est là que, à l'occasion de mon mémoire de maîtrise, fait sous la direction de Jean Delumeau, j'ai été amené à travailler sur Saint-Malo. Et qui part sur Saint-Malo, bien sûr, rencontre la morue, si je puis dire, puisque la base même de la richesse et de la fortune de Saint-Malo, c'est la pêche morutière. Alors, on a là un document, je voudrais vous le montrer, parce que ça, c'est très lourd, c'est très très lourd, ça s'appelle « Messieurs de Saint-Malo, une élite négociante au temps de Louis XIV », c'est signé André l'Espagnol, c'est vraiment impressionnant, et c'est votre thèse. Absolument, et ce n'est pas une promotion parce que l'édition est épuisée, mais c'est effectivement ma thèse en version intégrale, avec une illustration que l'éditeur avait choisi, je crois, de développer. C'est relativement rare d'avoir une thèse aussi bien éditée. Les presses universitaires de Rennes avaient fait ensuite une édition plus accessible, à un nombre d'exemplaires plus important, qui a été largement diffusée, mais qui, je crois, est en train de s'épuiser aussi. Alors bon, épuisé pour celui-ci, mais on va, avant de vous écouter donc sur la pêche à la morue, présenter quelques livres qui, eux, ne sont pas épuisés, des livres qui ont été sélectionnés par la Bibliothèque des Champs Libres. Et vous allez peut-être pouvoir nous donner, André l'Espagnol, quelques indications. Celui-ci, tout d'abord, « 5 siècles de pêche à la morue » de Nelson Cazael, Terre-Neuve et Islandais. Oui, ouvrage très pédagogique avec une très bonne illustration qui a été édité par Ouest France, qui est vraiment très accessible. Excellent. Alors, un autre ouvrage, alors celui-là, vous le connaissez très bien, puisque vous l'avez co-signé. Alain Cabantou, André l'Espagnol, Françoise Perron et d'autres auteurs. Vous me disiez tout à l'heure, vous étiez une quinzaine. Oui, c'est un ouvrage collectif, cette fois-ci, sur le rapport de la France et des Français à la mer. Rapport complexe dans un pays qu'on dit continental et qui, en fait, a eu une relation, néanmoins, avec la mer. Et en Bretagne, ici, on le sait. Mais on ne le sait pas partout. Et donc, je crois que c'est un ouvrage d'histoire dans la longue durée, sur 1000 ans, qui creuse l'ensemble de ces rapports économiques, sociaux, culturels, des Français et de la France avec la mer. Alors ça s'appelle « Les Français, la terre et la mer », 13e, 20e siècle. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui sont vraiment intéressés par l'histoire. C'est un ouvrage de fond, publié chez Fayard il y a 2 ans maintenant. Chez Fayard. Un autre ouvrage que vous nous avez apporté tout à l'heure, François Chappé, l'épopée islandaise 1880-1914, Paimpol, la République et la mer. Oui, alors c'est un ouvrage-là qui est directement en rapport avec le sujet que je vais traiter ce soir. Je voudrais insister sur cet ouvrage parce que l'auteur de cet ouvrage, qui était un excellent historien et un grand ami, François Chappé, nous a quittés il y a 8 jours. Et il est l'un de ceux qui a réfléchi le plus profondément et travaillé sur le rapport justement entre le mythe de Terre-Neuve et de l'Islande en l'occurrence, et la réalité sociale sous-jacente, ce que je vais évoquer ce soir aussi, mais avec une pensée très forte pour lui. Merci.
Un autre ouvrage, et bon, on approche des fêtes de Noël, alors évidemment, les beaux livres, on y pense. Les Bretons et la mer, images et histoires, donc, que vous avez co-signé avec Alain Croix, avec une iconographie réunie par Christelle Douard. Les Bretons et la mer, ça aussi un très beau livre, plus grand public, on va dire. Grand public, je pense, sur une thématique qui ne peut laisser aucun Breton indifférent. Et donc, bien sûr, ça peut être effectivement un ouvrage accessible à tout public. Ouais. On continue avec des beaux livres, encore des beaux livres. La Grande Pêche, Goélette flamande à l'Islande, de Jean-Pierre Mélis. Là aussi, beaucoup de photos. Oui, et qui va recroiser un certain nombre de choses qu'on va... On peut les feuilleter après la conférence pour retrouver les images des bateaux. Et puis, ce sera le dernier, le livre d'Anita Conti, Les Terres Neuves. Ça, c'est un livre que vous aimez beaucoup. Oui, parce que Anita Conti, c'est vraiment une figure emblématique. À la fois, je dirais, une des premières scientifiques sur le monde de la pêche et en même temps une photographe. Et nous avons là un ouvrage, je crois, tout à fait exceptionnel. Et sur la réalité de ce qu'a été la pêche morutière au XXe siècle, et notamment dans la première partie du XXe siècle, et d'autre part sur une personnalité d'envergure. À découvrir, donc il y a de très très belles images à l'intérieur. Alors, tous ces livres, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque des Champs Libres, et puis les références des ouvrages, évidemment, à nouveau disponibles sur le site de l'Espace des Sciences. André L'Espagnol, la pêche à la morue, veuillez prendre place, on vous écoute. Est-ce que si le PowerPoint veut démarrer, bien. Terre-Neuve et Islandais, avec leurs bottes, leurs cirés, leurs carrures impressionnantes, leurs barbes, sont des figures épiques de travailleurs de la mer, telles qu'elles se sont imposées dans la culture populaire française à la charnière des 19e et 20e siècles. À travers les œuvres de littérateurs, parfois de qualité, comme Loti, de chansonniers, plus ou moins discutables, comme Botrel, et à travers toute une production de cartes postales dont vous connaissez, je pense, tout à fait des exemplaires qui existent encore en vente sur nos côtes. Derrière cette construction mythologique, encore prégnante de nos jours, il y a cependant une réalité sous-jacente, dont cette imagerie est un reflet, mais un reflet déformé, celle d'une grande aventure, d'une page majeure de l'histoire de la Bretagne littorale, celle de la grande pêche morutière. Alors, une page qui a été une page qui se déploie dans un très large espace couvrant deux océans, l'Atlantique Nord, bien sûr, des parages de Terre-Neuve à ceux de l'Islande, mais aussi plus loin encore, les parages de l'océan glacial arctique. Plus l'on avancera dans le XXe siècle, plus les morutiers pourront remonter jusqu'au nord de la Norvège et jusqu'au Spitzberg. Une page donc dans un espace extrêmement large, de mer difficile, un espace par ailleurs où les marins ont travaillé dans la très longue durée. Il s'agit d'une aventure qui se déploie sur un demi-millénaire, puisque les premières traces documentaires que nous ayons de pêcheurs bretons ayant pratiqué la pêche morutière dans des eaux lointaines remontent à 1508. Un document normand, d'ailleurs, nous atteste du déchargement d'une cargaison de morues par le navire La Bonaventure de Bréa, suivi de peu, d'ailleurs, deuxième trace documentaire, qui fera plaisir à Paul Tréhin, par celle du déchargement d'une cargaison de morues par un navire de Dawet, la Jaquette, dans le port de La Rochelle, je crois bien. Et que d'autre part, au-delà de ces prémices, au tout début XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui encore, on pêche la morue à partir de la Bretagne. Vous avez ici la photographie de la Grande Hermine, chalutier de grande pêche malouin, qui, en 2007 encore, faisait une campagne au nord de la Norvège, au large des îles Lofoten. FR3, dans une émission de Littoral du 10 novembre dernier, que certains ont peut-être vu, nous offrait un reportage documentaire tout à fait excellent sur ce qu'il appelait, j'y reviendrai, le dernier morutier malouin. Donc, une aventure dans la longue durée, une aventure qui a impliqué tout le littoral breton, puisque de 1508 à aujourd'hui,
Lorsque l'on recense les ports qui ont armé pour la pêche morutière, on retrouve une trentaine de ports, depuis Cancale, à l'extrême nord-est, jusqu'à Bourgneuf-en-Retz, à l'extrême sud-ouest de la Bretagne historique, avec des ports petits et grands, des grands comme Saint-Malo, bien sûr, mais beaucoup de petits ports. Aujourd'hui, port de plaisance, simplement. Je parlais de Daouette, on pourrait parler d'Erquy, on peut parler de Binic, bien sûr, on peut parler de Paimpol et de bien d'autres. Donc, une trentaine de ports ont armé pour la morue en Bretagne, avec des milliers de marins embarqués. Je dirais que de la fin XVIe siècle à 1914, ce sont entre 3000 et 10 000 marins qui, chaque année, sont allés à la pêche morutière, très loin de leur côte, très loin de leur pays d'origine. C'est une histoire, donc, dans un vaste espace, une histoire dans la longue durée, une histoire très riche en même temps, avec au moins trois dimensions qui méritent d'être creusées. Il s'agit bien sûr d'abord d'une grande aventure maritime, car il s'agit de pêche au loin, à travers deux océans, j'y reviendrai. Il s'agit d'autre part d'une grande affaire économique. Ne parlons pas là d'aventure, mais d'entreprise collective, d'affaires économiques, compte tenu des moyens à mobiliser pour développer cette grande pêche, qui était déjà une activité capitaliste dès la fin du XVIe siècle, avec des moyens humains conséquents, bien évidemment. Il s'agit aussi d'une grande pêche qui se combinait à une activité de transformation du poisson, nous y reviendrons, avec une nature économique donc assez complexe, et par ailleurs, d'une grande pêche qui débouchait sur des marchés lointains, et donc permettant, dès une époque qui nous paraît maintenant lointaine, une première insertion de la Bretagne dans des circuits économiques internationaux. Et puis, dernier volet, et ce n'est pas le moindre, il s'agit d'une grande page d'histoire sociale pour notre région. Compte tenu du nombre d'hommes qu'elles ont mobilisés, impliqués, engagés, et une page sombre, parfois dramatique, de notre histoire sociale, car il y avait bien sûr un envers du décor, au-delà de la légende de Terre-Neuve ou de l'Islande, mais même à travers cette légende telle que les littérateurs de la fin 19e l'ont évoquée, il y a bien un aspect sombre dont le père Yvon, qui a été aumônier des Terre-Neuve au début 20e siècle, a donné la meilleure formulation en parlant à propos du destin de ces hommes qui s'embarquaient pour Terre-Neuve ou les parages de l'Islande, de « bagnards de la mer ». Je reviendrai sur cette expression pour essayer de voir à quel contenu elle se réfère. Voilà donc les trois dimensions que nous allons essayer d'explorer dans ce panorama sur la grande pêche morutière, une grande page de notre histoire. D'abord, quand même, quelques mots au début de cette présentation de l'aventure maritime sur la cible et le moteur de toute cette aventure maritime, de cette entreprise économique, de cette page d'histoire sociale. La cible, le moteur, non pas le prétexte, mais l'objet, c'est un poisson. Le fabuleux poisson, dira-t-on au XVIe siècle, la morue. La morue, dont vous avez ici une reproduction tirée d'un ouvrage du XVIIIe siècle. La morue, qu'on n'appelle pas initialement comme cela, vous le savez que la morue pêchée dans les eaux européennes, on l'appelle encore le cabillaud. Ça vient d'un nom flamand, cabellao d'ailleurs, ou hollandais. On l'appelle bacalao également dans les pays ibériques, portugais et espagnols. Et c'est à partir du XVIe siècle que les Français vont l'appeler, le terme de départ, c'est poisson molu, qu'on va progressivement transformer en morue. Peu importe là pour l'onomastique, l'important c'est la chose, c'est-à-dire la bête, l'objet, qui est vraiment le moteur de cette activité économique. Alors la morue, avec ses caractéristiques que vous pouvez voir à travers cette gravure tirée de l'ouvrage de Duhamel du Monceau, alors un poisson d'assez bonne taille, je dirais la morue que les pêcheurs ramenaient des eaux de l'Atlantique Nord était de l'ordre de 5 à 10 kilos lorsqu'il a pêché en général, mais il pouvait y avoir des morues de beaucoup plus grande taille. On voit des photographies début 20e de morues de 50 kilos avec une forme allongée, les trois nageoires dorsales caractéristiques, une tête qui n'est pas extrêmement pittoresque, avec une gueule extrêmement, je dirais quand elle s'ouvre, qui est extrêmement grande. La morue apparaît comme un poisson vorace. Et c'est une des caractéristiques que les pêcheurs vont repérer très vite, avec également ce barbillon que vous avez sous la gueule, bien évidemment. Mais au-delà de cet aspect qui n'est pas forcément très engageant, cette morue se caractérise par deux caractéristiques très importantes. D'une part, des qualités de chair, de tenue de chair, qui vont permettre, donc qui lui donnent non seulement un goût tout à fait excellent, mais aussi des qualités de conservation, dans la durée, ce qui est un élément tout à fait essentiel
pour non pas sa production, mais sa conservation et sa commercialisation. Et puis, dernier élément important que tous les observateurs soulignent lorsque l'on découvre la morue en grande quantité au-delà des océans, c'est la fécondité exceptionnelle de ce poisson. Certaines morues mères, si je puis dire, contenaient près de 10 millions d'œufs avec des capacités de reproduction, donc a priori très fortes, qui vont donner l'impression, que, je dirais, les stocks de morues sont quasiment inépuisables. Les premiers Européens qui repèrent la morue au large de Terre-Neuve vont parler des quantités prodigieuses de poissons que l'on rencontre sur les bancs. C'est bien le signe qu'il y a là, effectivement, un poisson à la très forte fécondité. Alors, dernier élément à propos de la morue qui nous ramène à la géographie, c'est que cette morue est un poisson des eaux froides. Elle vit dans des eaux de 4 à 5 degrés. Et elle va, semble-t-il, trouver des conditions de reproduction très favorables sur des hauts fonds, là où se rencontrent des eaux froides venant du nord, notamment le courant du Labrador, et des eaux tièdes remontant de l'Atlantique central. Et c'est ce fameux croisement qui s'opère, vous le savez, sur les bancs de Terre-Neuve et qui va donner à cette zone, je dirais, un sort, un destin historique tout à fait particulier. Donc, la morue, certes, on la trouve dans les eaux européennes, en mer du Nord, par exemple, mais elle va trouver des conditions, je dirais, de développement particulièrement fortes à l'époque moderne dans les eaux lointaines de l'Atlantique Nord, notamment dans les parages de l'Amérique du Nord. Alors, ceci nous amène, bien évidemment, aux lieux de pêche qui vont être ceux de la grande pêche morutière bretonne et européenne, d'ailleurs, car les Bretons ne sont pas les seuls, bien sûr, à se lancer dans cette aventure, même si c'est sur la Bretagne que j'axe mon propos ce soir. Les lieux de pêche, première chose à souligner, bien sûr, vous avez vu la carte tout à l'heure, j'en ai une autre ici, ces lieux de pêche, c'est un espace océanique, et nous sommes là dans une pêche lointaine, à longue distance, à des milliers de kilomètres des ports métropolitains. Alors, ces lieux de pêche, c'est d'abord dans l'Atlantique Nord, où, à la charnière des 15e-16e siècles, on a découvert la richesse des bancs qui entourent l'île qu'on va appeler de Terre-Neuve. Petite remarque là-dessus qui nous renvoie à l'histoire des grandes découvertes. Il semble bien que la première route, en fait, que les Européens aient trouvée vers ce qu'on n'appelle pas encore l'Amérique, c'est une route qui a été motivée par la quête du poisson, justement. C'est la route des pêcheurs à travers l'Atlantique Nord, à hauteur du 45e degré de latitude nord, et en suivant cette route vers l'ouest depuis l'Europe, des pêcheurs européens, bretons, normands, mais aussi basques, anglais, ont découvert, dans les brumes avoisinant ce qu'on appellera Terre-Neuve, des richesses halieutiques formidables. En tout cas, on sait, la première date découverte de ces gisements qui soit officielle, c'est le voyage de celui qu'on appelle tantôt John Cabot, mais en fait, il s'appelle Giovanni Cabotto, qui est un navigateur italien au service des marchands de Bristol, en Angleterre, qui va rencontrer le premier ces bancs autour de cette île qu'il va baptiser Terre-Neuve, et que nombre d'Européens vont suivre dans son sillage à partir des années 1500, dont les Bretons. J'ai parlé du navire de Bréa, repéré en 1508. En 1504, d'après des textes normands, ce sont des Bretons qui auraient découvert l'île un peu au sud de Terre-Neuve, qu'on appelle de Cap Breton, qu'on appelle toujours l'île du Cap Breton, ce qui veut évidemment dire quelque chose. Donc, le premier site de pêche, ça va être Terre-Neuve et ses parages. Vous avez là une carte de Terre-Neuve que j'avais faite à propos de la pêche malouine, qui vous montre notamment les deux grandes zones que vont fréquenter les Bretons de la côte nord, la zone nord-est de Terre-Neuve, au XVIe, XVIIIe siècle, qu'on appelle le Petit Nord, et au sud, là où vous trouvez, juste à portée de la grande île, la petite île de Saint-Pierre, donc la côte dite à l'époque du chapeau rouge, peut-être parce qu'il y avait des érables qui prenaient cette couleur, à l'automne. Donc, Terre-Neuve, première zone, je dirais, qui attire les pêcheurs en quête de morue, première zone, et je dirais, qui va demeurer un lieu de pêche à la morue pour les Bretons, de 1508, donc première trace officielle, si je puis dire, même si ça a commencé sans doute avant, jusqu'à l'interdiction de la pêche dans les eaux de Terre-Neuve par les Canadiens, j'y reviendrai en conclusion, en 1992. Ceci étant, la morue, dans cet espace nordique, n'existait pas qu'autour des côtes nord-américaines. Assez tôt, on s'est rendu compte, et les indigènes, si je puis dire, les Islandais eux-mêmes l'avaient découvert, que l'île nordique de l'Islande, l'île de glace, recelait également dans les eaux bordières
des quantités importantes de morue. Ce sont les Dunkerquois qui, les premiers, s'agissant des ports qui sont ensuite devenus français, ils ne l'étaient pas à l'époque, les Dunkerquois, dès le début du XVIIe siècle, ont fréquenté les parages de l'Islande. Les Bretons s'y mettent beaucoup plus tard, mais ils vont le faire avec une très grande activité. Ce sont les Bretons de la baie de Saint-Brieuc, en fait, qui vont se lancer à partir du milieu du XIXe siècle autour de l'Islande. Les Paimpolais avec un voyage exploratoire en 1852, suivi par d'autres ports de la baie de Saint-Brieuc, comme Binic et comme Daouet du côté du Penthièvre. Avec Terre-Neuve, nous étions là à 2000 milles, 3500 à 4000 km des côtes bretonnes. L'Islande est un peu plus près, mais dans des eaux encore plus nordiques, 60 degrés de latitude nord contre 40-45 pour Terre-Neuve et ses bancs. Nous sommes là, néanmoins, dans des zones de pêche lointaines. C'est à 2000 km des ports bretons. Et puis, dans un dernier temps, au cours du XXe siècle principalement, encore qu'il y a eu des antécédents, au-delà de l'Islande, au-delà des côtes du Groenland, Groenland ouest, Groenland est, les pêcheurs morutiers remonteront encore plus au nord, vers le nord de la Norvège, où ils pêchent encore d'ailleurs, et plus encore vers la mer de Barents. Dès le début du XVIIIe siècle, des Malouins ont exploré la presqu'île de Kola pour pêcher la morue, et jusqu'au Spitzberg. Vous voyez donc l'espace qui a été recouvert par cette pêche morutière, la dimension océanique de cette pêche à des milliers de kilomètres de ses bases. Alors, cette pêche morutière, donc, au loin, ça entraîne évidemment un certain nombre de conséquences dont on va voir les faits sur notamment le matériel naval et les conditions de la campagne. D'abord, sur la durée des expéditions. Cela impliquait déjà 2 à 3 semaines de trajet, aller et retour, soulignant notamment que au temps de la marine à voile, aller à Terre-Neuve, c'est aller plein ouest contre les vents dominants, généralement d'ailleurs à l'époque des dépressions d'équinoxe. Ce n'était pas une partie de plaisir. Et le premier temps, si je puis dire, de la campagne, c'était affronter ces vents dominants d'ouest pour atteindre les lieux de pêche et notamment les bancs de Terre-Neuve. À partir de là, d'ailleurs, conséquences corrélatives, vous voyez aussi que la distance et le temps qu'il fallait aller pour aller sur les lieux de pêche impliquaient pratiquement un rythme de campagne annuel. Même s'il y aura quelques exceptions envers l'Islande ou parfois depuis Dunkerque, par exemple, on pourra faire 2 campagnes, globalement, c'est un rythme annuel de campagne. Quand on parle de grande pêche, c'est aussi ça. Les Normands, comme le Jean Recher, qui a écrit un ouvrage à partir de son expérience personnelle de capitaine là-dessus, capitaine de Fécamp, avait donné comme titre à son livre « Le grand métier ». Le grand métier, c'est l'expression que les Normands donnaient pour la pêche lointaine, par opposition au petit métier, qui était la pêche côtière. C'est donc, on part pour une campagne annuelle, en fait, minimum 5 mois, 6 mois, parfois plus, selon notamment les trajets de livraison du poisson qui pouvaient être extrêmement développés. Donc, vous voyez cette première dimension, je dirais, en termes de durée, avec tout ce que cela implique en termes de préparatifs pour l'avitaillement, par exemple. Voyez aussi d'emblée, d'un mot, là, dans le lien avec le rythme et la durée, les conséquences sur la vie sociale des zones où va se développer cette grande pêche, pour les familles, pour les femmes, pour les enfants, avec des hommes qui partent au loin, non pas chaque jour comme les pêcheurs de sardines de la côte sud, mais pour plusieurs mois, pour 6-8 mois, loin des leurs, avec toutes les inquiétudes qui vont pouvoir se greffer, évidemment, sur ce séjour au loin. Troisième élément qui est à mettre en évidence aussi à propos de cette grande pêche et de ses caractères géographiques, c'est une pêche océanique, oui, mais dans les eaux froides, dans cette partie de l'Atlantique Nord, dans cette partie de l'océan Arctique, où les conditions, je dirais, sont proches de l'extrême à certains moments de l'année. C'est une pêche qui va se dérouler sous la menace des icebergs qui défilent non seulement auprès des, qui viennent du Groenland, vous le savez, des glaciers du Groenland, mais qui descendent avec le courant du Labrador au long des côtes de Terre-Neuve et jusque sur les bancs. La banquise, parfois, pouvait prendre même en plein été ou en fin d'été les côtes de Terre-Neuve, notamment début XVIIIe siècle, lorsqu'il y aura un petit âge glaciaire, si je puis dire. Et puis, d'autre part, vous aviez comme élément permanent, aussi bien d'ailleurs autour de Terre-Neuve, sur les bancs de Terre-Neuve, à la rencontre des courants froids et des courants chauds, du Gulf Stream et du courant du Labrador, des bancs de brume quasi permanents,
pendant une bonne partie de la saison, qui constituait évidemment un élément tout à fait préoccupant pour les marins qui étaient en pêche dans cette zone. Ajoutons enfin que l'Atlantique Nord, et ce ne sont pas les Bretons ou les habitants en Bretagne ici présents qui vont être surpris, l'Atlantique Nord se caractérise par la fréquence des dépressions atlantiques d'ouest en est, et ces dépressions particulièrement virulentes au moment des équinoxes. Or, et c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ces dépressions se traduisent par des tempêtes extrêmement fortes, et des tempêtes qui surviennent en termes de fréquence, notamment au mois de mars ou vers octobre-novembre, c'est-à-dire au moment même où les morutiers partaient vers les lieux de pêche ou revenaient avec leur cargaison de poissons vers leur port d'armement. Et donc avec des risques évidemment particuliers sur lesquels j'aurai l'occasion de préciser les effets sur les navires et sur les hommes. Donc des conditions géographiques très spécifiques qui vont avoir des conséquences sur le matériel naval et sur les systèmes de pêche. Alors, au-delà des lieux de pêche, maintenant, évidemment, parlons de la pêche elle-même, de ses moyens techniques, des navires et, au-delà, des systèmes, des outils permettant la pêche. Alors, je crois que ce qu'il faut souligner à ce stade, c'est que pendant près de 4 siècles, on va demeurer, pour la grande pêche morutière, dans un système technique globalement stable. On peut le résumer par un ensemble de mots, bien sûr le bois pour les navires. En termes de moyens de propulsion, la voile, bien sûr, pour gagner les lieux de pêche, mais aussi, et j'y reviendrai précisément, l'aviron, pour l'activité de pêche elle-même, nous le verrons, dans certains types de pêche. Et puis d'autre part, alors, en termes d'outils de pêche lui-même, la pêche morutière, jusqu'à la Première Guerre mondiale, a une ou deux tentatives de chalutage près. La pêche morutière se caractérise par l'utilisation de la ligne et de l'hameçon. Nous sommes au stade de la pêche à la ligne et de l'hameçon, alors que d'autres techniques de pêche existent à cette époque, pourtant, sur les côtes européennes. Alors, cependant, dans le cadre de ce système technique, il y aura des variations assez importantes, des variantes qu'il faut essayer de préciser. La première variante que l'on observe dès le XVIe, XVIIIe siècle, je vous donne là deux reproductions de planches de Duhamel du Monceau, qui a fait un traité général des pêches au milieu du XVIIIe siècle, nous montre deux réalités complémentaires et qui sont simultanées dans le temps. Le premier élément, les premières planches, nous montrent qu'une partie de la pêche terre-neuvière, la plus importante d'ailleurs, au XVIIe, XVIIIe siècle, était ce que l'on appelait une pêche sédentaire à la côte de Terre-Neuve. C'était la pêche notamment que pratiquaient les Malouins et également à cette époque les navires partant des ports de la baie de Saint-Brieuc, comme Binic et quelques autres. Cette pêche consistait d'abord à aller vers les côtes de Terre-Neuve, que j'ai montré tout à l'heure, côtes de Terre-Neuve, avec un navire qui est un navire transporteur, en fait, qui amène les hommes, le matériel de pêche et un élément essentiel, nous y reviendrons, du travail de transformation qui est le sel. Ces navires, qui peuvent être de grandes dimensions, 200-300 tonneaux, vont sur la côte de Terre-Neuve, sélectionnent ce qu'on appelle un havre, une zone abritée, avec des caractéristiques favorables, nous verrons pourquoi, notamment en termes de qualité du rivage, avec la présence de galets. Et là, on établit une base fixe, à partir de laquelle on va mettre à l'eau des chaloupes pour pratiquer la pêche. La pêche se pratique à partir de la terre, de ce havre, donc, qui est une base fixe pendant plusieurs mois, avec des chaloupes que vous voyez ici représentées, des chaloupes qui sont des chaloupes d'assez de taille moyenne, classiques, hein, des chaloupes qu'on utilise en Europe traditionnellement, des chaloupes montées par 3 hommes, donc qui partent chaque matin et qui reviennent chaque soir avec leur cargaison de poissons pour la débarquer et pour qu'elle soit traitée. C'est donc une pêche côtière outre-Atlantique, si je puis dire, une pêche côtière qui peut être assez rude, ceci étant... ça n'est pas la forme sans doute la plus risquée de la pêche morutière, et c'est une forme qui a été beaucoup pratiquée entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les Bretons de la côte nord. Je souligne un point, c'est que la possibilité de développer cette pêche supposait qu'on ait accès libre au rivage, et donc souveraineté sur la côte, en quelque sorte, implicite ou explicite. Ce qui est le cas pour les Français au XVIIe et au début XVIIIe siècle, jusqu'en 1713, jusqu'à ce qu'en 1713, la France perde Terre-Neuve. Et à partir de là, eh bien, il va falloir ruser, et les Français vont négocier, notamment après 1763, le maintien de droits de pêche
sur un Canada qui est désormais propriété anglaise, droit de pêche sur la côte, même si la souveraineté est anglaise. C'est ce qu'on va appeler le French Shore de Terre-Neuve, sur lequel on pourra continuer à pratiquer ce type de pêche jusqu'au début du XXe siècle, avec l'autorisation garantie par traité des autorités britanniques qui sont maîtresses du rivage. Ceci étant, cette souveraineté ne garantissait pas tout, et à la fin, les Français se replieront sur la dernière base de souveraineté française, qui est le petit îlot de Saint-Pierre et son annexe de Miquelon, pour pratiquer ce type de pêche sur une dernière zone de souveraineté française. Ceci étant, cette pêche morutière sédentaire, comme on l'appelle, cette pêche à la côte, n'a été qu'une des deux modalités développées au XVIe, XVIIIe siècle. Dès le XVIe siècle, un deuxième type de pêche va se développer, différent, par les lieux et par les modes de pêche, par le type de matériel naval aussi. Ce type de pêche, c'est une pêche qui va se pratiquer au large, avec le navire en dérive. C'est ce que l'on va appeler à l'époque la pêche errante sur les bancs. Cette pêche errante se pratique avec des navires comme celui que vous voyez, qui est du XVIIIe siècle, qui est donc d'un tonnage moyen, 80 à 100 tonneaux à peu près, fin XVIIIe siècle, monté par une 15 à 20 hommes à peu près, et qui pêche le poisson depuis le bord du navire, à la ligne. Bien évidemment, en chaloupe, on pêchait aussi à la ligne, ça va de soi, mais là, c'est depuis le navire lui-même, et c'est ce type de pêche qui va être développé également lorsque les Bretons, après 1852, vont s'orienter vers les rivages de l'Islande. Autour de l'Islande, en effet, on va pêcher à vue des côtes, souvent, mais sans s'appuyer sur la côte, les Islandais qui pratiquent eux-mêmes la pêche à la morue n'autorisant pas que l'on puisse établir des bases, en quelque sorte, sur leur territoire. Et donc, les pimpolais, les pêcheurs de binic, de dawet, qui vont pratiquer la pêche en Islande, vont pratiquer cette pêche également, qui est une pêche errante, le mot est du XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, mais une pêche, je dirais, au large, à partir du bateau. Cela impliquait donc un certain type de matériel naval. Nous voyons là un bateau du XVIIIe siècle, avec ses voiles qui sont des voiles carrées, perpendiculaire à l'axe du navire. Vous allez voir maintenant l'évolution du matériel naval au cours du XIXe siècle, où ces types de pêche vont continuer à se pratiquer. Vous avez ici deux types de navires qui, je pense que c'est un montage dans la carte postale d'ailleurs, qui sortent du port de Saint-Malo, c'est l'île de Sésambre qui est derrière nous. Ces deux types de navires représentent, je dirais, non seulement deux techniques de construction navale, mais aussi peut-être deux types de pêche. À gauche, c'est un trois-mâts barque, ou deux-mâts barque, je ne sais plus, qui doit emporter des pêcheurs sur la côte de Terre-Neuve. On pratique encore la pêche sur la côte de Terre-Neuve. À droite, nous avons désormais une goélette qui va être le type de navire le plus adapté pour la pêche au large, autour de l'Islande, comme sur les bancs de Terre-Neuve. Cette goélette est un navire d'ailleurs d'origine américaine, c'est le schooner américain, nord-américain, mis au point au XVIIIe siècle, mais que les pêcheurs bretons et surtout les constructeurs de navires vont adapter. Vous avez ici, entrant à Dawet, un morutier qui est un trois-mâts goélette, avec sa voile longitudinale, vous le voyez. Vous avez ici, dernière photographie, carte postale exactement, vous avez ici une goélette pimpolaise. Les pimpolais, lorsqu'ils vont développer à grande échelle la pêche en Islande, mettent au point un type de navire, si je puis dire standard, un type de goélette à deux mâts, de 80 à 100 tonneaux à peu près fin 19e siècle, avec des qualités de voile tout à fait, d'élégance d'ailleurs, tout à fait remarquables, pas forcément de sécurité en mer, mais en tout cas un certain nombre d'avantages, en même temps que d'inconvénients. Nous avons là donc le navire type de la pêche, je dirais, au large, à distinguer des plus gros navires qui emportaient les marins sur la côte de Terre-Neuve. C'est là donc, ce sont là les deux systèmes de pêche que nous avons simultanément au cours du XVIe, XVIIIe siècle et qui se prolongent en partie au XIXe. Ceci étant, le système technique de la pêche va évoluer au cours du XIXe siècle. Ça demeurera jusqu'en 1920 une pêche à la ligne et à l'hameçon. Vous en voyez un exemplaire de ces hameçons de 8 cm qui accrochaient les morues, qui étaient de bonne taille. Mais au cours du 19e siècle, va se généraliser la technique de la ligne dormante. Ce sont des lignes, on appelle ça aujourd'hui en Bretagne des palangres ou des cordes en Normandie. Ce sont des lignes de fond que l'on mouille sur les bancs, sur les hauts fonds.
qui peuvent avoir 1 à 2 km de long, avec des centaines d'hameçons qui sont accrochés à ces lignes. Et dans cette seconde technique, il s'agissait d'aller d'une part mouiller les lignes sur les bancs, et ensuite d'aller remonter avec leurs poissons ces lignes de plusieurs centaines de mètres. Au cours du XIXe siècle, la technique va d'ailleurs varier, ou plutôt les outils de capture vont varier. Ce sont des grosses chaloupes qui sont à l'œuvre vers le milieu du XIXe siècle. Vous les voyez ici sur cette gravure. Chaloupes d'assez bonnes dimensions, avec un équipage de 7 à 8 hommes. Il y en a 6 ou 7, je crois, ici, mais je crois que c'est un peu plus, en fait, sur les chaloupes. C'était en même temps quelque chose, un système qui était assez lourd et assez peu maniable. Notamment, ces chaloupes avaient un certain nombre d'inconvénients. Si bien que fin XIXe siècle, et c'est une image que vous avez sans doute vue si vous êtes intéressé par la pêche morutière, la pêche sur les bancs de Terre-Neuve, à partir de 1875, cette pêche sur les bancs va se pratiquer avec la ligne dormante, donc, que l'on mouille sur le fond, mais cette fois-ci à partir d'un type d'embarcation beaucoup plus léger que l'on appelle le Doris. Je dirais que c'est un terme emblématique par rapport à la pêche morutière. C'est la pêche en Doris, donc, qui va se développer entre 1875 et 1914. Ce sont des embarcations légères, elles font 5 à 6 mètres de long. Le modèle, semble-t-il, vient d'Amérique du Nord, là aussi, peut-être même, disent certains, d'influence indienne. C'est un navire léger, avec un fond plat, assez évasé, qui paraît vraiment, on parle de frêle esquif, sous la plume des littérateurs de la fin 19e, à juste titre, et pourtant, sur ces bateaux, les Terre-Neuvas, car il s'agit là d'une pêche sur le banc de Terre-Neuve, les Terre-Neuvas embarquant sur ces Doris depuis le bateau mère vont aller à 2 ou 3 km mouiller leurs lignes le soir, reviennent au bateau et le lendemain matin vont relever les lignes qui font plusieurs centaines de mètres avec des dizaines ou des centaines de morues qu'ils chargent dans le Doris. Et bien évidemment, comme pour les chaloupes, il s'agit de regagner le bord à l'aviron, quel que soit l'état de la mer. Vous imaginez ce que cela représente, et comme effort physique, j'y reviendrai, et comme prise de risque, mais c'est bien cette pêche en Doris qui symbolise la pêche sur le banc dans sa phase, je dirais, finale, avant le chalutage, dans les années 1875-1914, et qui va contribuer pour beaucoup, je dirais, à l'image que l'on a gardée ensuite du Terre-Neuve, les Dorissiers dans leur bateau, sur le banc, dans la brume. Voilà une image, je crois, forte, que l'on peut retenir, parce qu'elle est vraie, de la pêche à Terre-Neuve, d'une des formes de la pêche à Terre-Neuve. Cette pêche avec des lignes dormantes était, semble-t-il, plus productive que la pêche à partir du navire avec la ligne simple, et c'est pour cela qu'elle s'est développée pour la pêche sur le banc. Voilà donc pour ce qui concerne les techniques de pêche proprement dites. Avant, bien sûr, mais j'en parlerai d'un mot en conclusion, avant, bien sûr, que ne s'impose tardivement, au cours du XXe siècle, la motorisation, la mécanisation et le passage au chalutage. Ceci étant, parler de la capture du poisson ne nous fait évoquer que la moitié du processus de production. Le système technique morutier, en effet, ne s'arrêtait pas là, pour une raison forte qui renvoie à ce caractère de pêche lointaine. Pêcher la morue, c'était bien, encore fallait-il la conserver pour pouvoir la livrer à des milliers de kilomètres à des consommateurs. Ce qui fait que dans l'activité morutière, c'est vrai d'autres types de pêche, par exemple la pêche thonnière océanique aujourd'hui, mais en tout cas dans l'activité morutière, dès le début, s'est posée la question clé de la capacité à conserver un produit biologique fragile, qui était putrescible, bien évidemment. Comment conserver avec ses qualités ce poisson que l'on trouvait en abondance, que l'on pêchait, mais qu'il fallait ramener plusieurs mois après sur des marchés très lointains. La grande pêche, donc, très tôt, s'est combinée nécessairement à une activité de conditionnement. Une activité de conditionnement qui en faisait une activité manufacturière. Je dirais qu'à côté de l'image du pêcheur, il faut avoir l'image de ceux qui travaillent, soit à bord, soit à terre, mais ceux qui travaillent à la transformation du poisson. Il y avait des opérations incontournables lorsqu'une fois qu'on avait pêché la morue. Ces opérations, eh bien, c'était ce que l'on appelait dans le langage imagé du XVIIIe siècle l'habillage de la morue, l'habillage ou son déshabillage. Il s'agissait bien sûr de lui couper la tête, de lui enlever les viscères,
de garder d'ailleurs un certain nombre d'éléments, car la morue, je dirais, c'est presque comme le cochon, tout est bon. On gardait la langue, qui était un mets de choix. On gardait les œufs, dont on faisait la rogue pour la pêche à la sardine, comme à pas en Bretagne. On gardait d'autre part également le foie, pour en faire de l'huile. L'huile de foie de morue, qui n'était pas utilisée à l'époque comme médicament, mais comme combustible, comme les combustibles notamment pour des lampes à huile dans les milieux populaires. Donc nous avions tout ce travail de préparation, et puis bien sûr, il fallait ce qu'on appelait le décollage de la morue, lui enlever l'arête principale et la découper en deux moitiés, qui allait ensuite la base de la préparation. Alors la préparation, je dirais, elle commençait au-delà, et elle va prendre deux modalités. Deux modalités. Là, nous sommes dans un type de pêche et de conditionnement du poisson à bord du bateau. Alors, distinguons deux choses. Partout où se pratique la pêche, sur les bancs ou en pleine mer, par exemple autour de l'Islande, le conditionnement doit se faire sur le pont et dans les cales du bateau. Et la seule solution, une fois que l'on a préparé le poisson, qu'on l'a découpé en deux moitiés en éliminant toutes les viscères et la tête, l'arête, la seule possibilité que l'on a pour le conserver à cette époque, jusqu'au milieu du XXe siècle pratiquement, c'est de saler la morue. Et donc c'est le salage qui va être la technique de conservation d'une grande partie des navires morutiers pendant plusieurs siècles et pratiquement, je dirais, jusqu'en 1950-60. Le salage, ce qui signifie aussi qu'il y a un lien, si je puis dire, consubstantiel entre la pêche morutière et la production du sel. La chance des morutiers bretons était que la Bretagne était aussi une grande province productrice de sel dans sa partie méridionale, dans les marais de Guérande, de Mesquer ou de Bourgneuf. Et à partir de là, des courants d'approvisionnement des ports morutiers s'étaient développés pour les chargements des morutiers partant pour Terre-Neuve ou plus tard pour Islande. Donc, première technique, c'est ce que l'on appelait la préparation de la morue en verre. La morue verte, c'est la morue salée qui allait revenir sur certains marchés de France et d'Europe. Mais, point important à souligner, cette technique de préparation en verre, qui nous paraît, nous, naturelle, c'est celle que vous connaissez peut-être, n'était que l'une des modalités de conditionnement. En fait, dès le XVIe siècle, une partie des pêcheurs morutiers et de leurs armateurs avaient choisi de développer une autre forme de conditionnement du poisson qui était liée cette fois-ci à la pêche sédentaire. C'est un mode de conditionnement qui se pratiquait à terre pour les navires qui pêchaient à partir des côtes de Terre-Neuve ou plus tard à partir de Saint-Pierre. Bien sûr, là aussi, on vidait le poisson, on le découpait en deux moitiés, on le salait, mais ensuite on le lavait. Vous voyez un bac d'ailleurs au premier plan de cette gravure. Et au-delà, alors, l'aspect principal, c'est que la morue était mise à sécher. Elle était mise à sécher sur ce que l'on appelait des graves, c'est-à-dire des galets sur les côtes de Terre-Neuve, ou sur des installations construites pour ce faire, qu'on appelait les vigneaux, de véritables bases de transformation. Il y avait vraiment des installations à terre pour la préparation de la morue dans cette technique du séchage, alors qui impliquait, vous l'imaginez bien, un travail de transformation beaucoup plus important. La sécherie de morue à terre est une activité de main-d'œuvre qui implique une main-d'œuvre dédiée, une main-d'œuvre spécifique tout à fait importante. Et à partir de là, donc, on était capable de fournir un produit de qualité, un produit de qualité qui allait pouvoir circuler vers des marchés plus lointains. Vous voyez ici à Saint-Pierre-et-Miquelon ce travail de la sécherie. Et à partir de là, se découpaient, se détaillaient les circuits morutiers de livraison. Le point important que j'évoque en quelques mots simplement, c'est que la morue salée, la morue verte, en fait, revenait en Bretagne ou dans les ports normands, dans cette partie nord de la France où la consommation de la morue salée s'effectuait de manière dominante. Par contre, et c'est le point important, vous voyez ici ce circuit sud, il y a un circuit vers le golfe de Gascogne, mais le point important, c'est ce circuit depuis Terre-Neuve vers le détroit de Gibraltar, c'est qu'à partir de la fin XVIe siècle, il faut le savoir, la morue sèche va trouver des marchés intéressants, beaucoup plus loin que dans nos contrées de la France de l'Ouest, en Europe du Sud, en Espagne, à Cadix, à Alicante, en Italie, vous voyez Civitavecchia, Livourne ou Gênes, et à Marseille, qui va devenir le grand port de livraison de la morue au cours du XVIIIe siècle. La morue sèche, en effet, est un produit à haute valeur ajoutée, qui est un produit qui se conserve mieux dans les pays chauds. Il se trouve aussi que ces pays de l'Europe du Sud sont les pays de l'Europe catholique
catholique, de la réforme catholique la plus poussée, où la tradition du carême notamment a été réaffirmée, et où la morue va entrer dans les modes de consommation à la fois des élites et du peuple, de manière très forte. L'aioli marseillais, c'est la morue sèche venant de Terre-Neuve, apportée au XVIIIe par les morutiers malouins ou les grands villets de Normandie, qui va être la base donc, de ce plat ô combien emblématique de la culture provençale. Donc, au-delà du conditionnement, vous avez ces circuits de livraison qui donnent d'emblée, vous le voyez, à l'activité morutière, au-delà de sa dimension de grande activité de production, une dimension commerciale importante. C'est notamment à travers ces circuits que j'ai évoqués tout à l'heure des morutiers malouins vers la Méditerranée que le négoce malouin, qui contrôlait l'armement maritime, a pu aussi développer des activités commerciales de bien plus grande ampleur parce que les morutiers revenant de Marseille, de Gênes ou d'Alicante ramenaient des cargaisons de produits méditerranéens vers les ports de la France du Nord-Ouest. Vous voyez à travers cette analyse des circuits que nous sommes ici dans un élément tout à fait essentiel de l'impact économique de l'activité morutière. Bien évidemment, ce n'en est qu'une dimension. Au-delà de cette activité de livraison, en amont, il faut aussi prendre la mesure de ce qu'a été la pêche morutière comme activité économique, je dirais, dynamisant le littoral breton. Il faut prendre la mesure d'abord de ce qu'a été le poids de cet armement morutier à certaines époques de notre histoire. Le premier recensement fiable que nous ayons du nombre de morutiers et des zones d'armement morutier remonte à une enquête de Colbert de 1664 que vous avez visualisée sur cette carte. Nous observons en 1664, au total, il y a 106 morutiers bretons qui sont recensés à cette date. Le plus gros, le plus grand nombre d'entre eux, bien sûr, est armé à Saint-Malo avec une soixantaine d'unités. Mais il y a deux autres zones importantes, l'une d'ailleurs qui va être durable. Ce sont les ports de la baie de Saint-Brieuc, petits ports mais dynamiques, du Penthièvre, comme Erquy et Daouette, et du Goëlo, du Légué, Binic, Portrieux, Paimpol et Bréa, qui à cette date arment une douzaine de morutiers seulement, mais il y a là un noyau stable de pêche morutière dans la longue durée jusqu'au début XXe. Et puis troisième zone au XVIIe siècle, qu'il ne faut pas oublier, la Bretagne Sud a également pratiqué la pêche morutière. Vous avez là, autour de Nantes, qui fournit les capitaux, une zone d'activité morutière, ils pêchent sur le banc d'ailleurs à cette époque, avec les petits ports de l'estuaire, le Croisic notamment, Pornic, mais aussi la Bernerie, Bourgneuf, port du sel, mais qui armait également pour Terre-Neuve. Voilà donc une première photographie de cette activité morutière au milieu du XVIIe siècle. Cette activité morutière va connaître ensuite des phases de développement. Fin du XVIIIe siècle, nous recensons plus de 150 morutiers qui sont désormais concentrés essentiellement sur la côte nord, entre Saint-Malo et la baie de Saint-Brieuc. Et le point d'apogée, où l'armement morutier breton atteint ses maxima, se situe dans les années 1895-1914, avec un certain nombre de pôles. Saint-Malo-Saint-Servant, vous voyez ici le bassin du Guétrouin avant l'expédition des morutiers vers Terre-Neuve, mais le bassin de Saint-Servant était tout aussi plein. En 1914, 131 morutiers sont expédiés depuis Saint-Malo-Saint-Servant. Vous voyez ce que ça représente en termes d'activité. Mais simultanément à cette époque, est apparu entre 1895 et 1914, un second foyer dans la zone malouine. Cancale devient, à partir de 1885, un port morutier significatif, avec une quarantaine d'armements en 1907. Et puis, dernier foyer, bien sûr, c'est la baie de Saint-Brieuc. J'ai évoqué tous les petits ports qui ont pratiqué la pêche morutière, dans le Penthièvre et le Goëlo, avec Paimpol, quand même, comme port leader, et 80 morutiers armés en 1895. Alors, tout cela, bien sûr, nourrissait une activité intense en termes économiques. L'avitaillement, vous voyez ici, à la veille de l'embarquement, des fûts divers qui sont prêts à s'embarquer sur les goélettes paimpolaises. Cela impliquait aussi une activité très importante de construction navale. Il y a un lien entre l'essor de la construction navale sur la côte nord et l'activité morutière. Dans des zones comme Cancale, vous voyez ici au port de la Houle, des goélettes et des trois-mâts en construction. Cela valait aussi pour le secteur Saint-Malo et le secteur de la Rance, comme pour le secteur de Paimpol, la construction et la réparation navale, avec ce document qui nous représente
cette forme de radou extrêmement originale, de la Landrier, c'est sur la Rance, bien sûr, au Minique, où venaient se réparer les morutiers entre deux campagnes. Et bien évidemment, autour de cette activité de construction, de réparation navale, une activité d'avitaillement, toute une série de services, je dirais, qui prospéraient autour de ces ports morutiers, qui ont constitué véritablement une zone de dynamisation du littoral breton, notamment de ce secteur clé au XIXe siècle, qui s'étend de Cancale à Paimpol, où la morue a été véritablement l'activité dominante. Voilà donc les dimensions économiques que nous pouvons développer sur ce point. Il y aurait aussi, bien sûr, à s'interroger sur la question des entrepreneurs, des armateurs. Cela nous entraînerait un peu loin de le traiter en détail. Armateurs qui se renouvellent beaucoup, d'ailleurs, au cours du XIXe siècle. Le point important à bien comprendre, cependant, c'est que les sociétés d'armement morutier étaient généralement des sociétés divisées en parts et que l'armement pour Terre-Neuve, au-delà des armateurs en titre, a drainé des capitaux de toute une série, de toutes les bourgeoisies portuaires ou de la zone littorale, avec des répartitions de parts en 16e, 32e, 64e, jusqu'à des rentiers et des rentières de moindre envergure, mais tout à fait importantes. Voilà donc pour ce volet économique qui vous montre un peu ce qu'a été la puissance de l'armement morutier au XIXe siècle. Reste bien évidemment maintenant à aborder le troisième volet, le volet social, humain en quelque sorte, de cette grande branche d'activité tournée vers l'exploitation d'une richesse halieutique. Alors, les bagnards de la mer, j'ai mis cela en titre avec un point d'interrogation. La formule, je l'ai dit tout à l'heure, est d'un observateur attentif de ces réalités, qui a été aumônier des Terre-Neuvois et des Islandais au début du XXe siècle, le Père Yvon, et qui en a tiré d'ailleurs des analyses, des descriptions, dont certaines sont publiées dans un ouvrage qui porte ce titre. Alors, c'est autour de, cette image que se sont construites les mythologies que j'ai évoquées tout à l'heure, pêcheur d'Islande de Loti, c'est la tonalité aussi, bien évidemment, de la Paimpolaise de Botrel et de bien d'autres œuvres plus mineures sur le sujet. Qu'en est-il au-delà de ces aspects mythiques que représente ici la carte postale de l'Islandais ou du Terre-Neuve typique? C'est évidemment, il pose pour la carte postale. Ce n'est pas un vrai Terre-Neuve, ou en tout cas, si c'est un vrai, je dirais qu'il a été grassement payé, ou un petit peu payé. De même que vous avez ici une goélette avec, sur la carte postale à droite, quelques vers de la Paimpolaise de Botrel qui vous montrent toute cette mythification autour de la grande pêche morutière. Qu'y avait-il derrière le mythe? Alors, d'abord, première chose, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est, j'ai parlé de l'impact économique, mais l'impact économique, c'était aussi des besoins de main-d'œuvre. Des besoins de main-d'œuvre, la grande pêche morutière, ça a été d'abord un secteur d'emploi, notamment au XIXe siècle, pour la côte nord. Un secteur d'emploi très important, un secteur d'emploi dont je donne simplement quelques chiffres pour que vous ayez les proportions en tête. Milieu du XVIIe siècle, autour de 4000 hommes. Fin XVIIIe siècle, 7000, 7500 hommes embarqués sur les morutiers, et là, cette fois-ci, dans une zone qui se limite à la côte nord. Et autour de 1910-1914, plus de 10 000 hommes embarqués chaque année pour les campagnes à Terre-Neuve ou en Islande. Cela représentait, en termes d'impact social, quelque chose d'important, avec bien évidemment, au premier chef, la question du recrutement. La question du recrutement qui s'effectuait, vous le voyez ici dans une gravure, le recrutement qui s'effectuait entre deux campagnes chaque année, à l'initiative moins de l'armateur, d'ailleurs, que du patron, du capitaine, qui venait recruter ses matelots et qui le faisait, bien évidemment, à travers une discussion directe, souvent en tête-à-tête ou avec quelques-uns. Là, c'est devant une bolée ou ça pourrait être devant un verre de lambic. Nous sommes là dans la négociation au cabaret de ce qui va être la promesse d'engagement du matelot. Promesse, cependant, qui ne sera concrétisée que lorsqu'il aura passé, signé un contrat. Ce contrat est tardif, il est 1936. Dès le XIXe siècle, les marins sont sous la tutelle de l'administration de l'inscription maritime et le contrat oral passé avec un capitaine doit être concrétisé par un acte d'engagement passé devant l'autorité de la marine et, d'autre part, cela doit s'accompagner évidemment de l'inscription sur les rôles de la marine, de l'inscription maritime. Il y a donc toute une phase de recrutement, d'engagement de ces marins de Terre-Neuve
dont vous voyez la belle stature, et là, il ne s'agit pas, je crois, de quelqu'un qui pose, je dirais, de manière artificielle, c'est un vrai marin, vraisemblablement, avec, donc là, matelots adultes, mais il y avait aussi des jeunes, bien évidemment. Il s'agit d'un mousse posant pour une carte postale, mais la réalité du mousse embarqué à Terre-Neuve ou vers l'Islande a été une réalité. Mousse que l'on embarquait sans âge minimal, je dirais, pendant la plus grande partie de notre période, jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est seulement avec l'école obligatoire que c'est à partir de 12 ans seulement qu'on pourra embarquer des mousses. Alors, ceci étant, ce recrutement de la main-d'œuvre maritime va s'effectuer avec un certain nombre de caractéristiques, deux éléments. Cette carte vous montre, je dirais, les zones de recrutement des marins qui sont embarqués sur les morutiers malouins fin XVIIe siècle, vers 1698. Hein. Et vous voyez comment, je dirais, les morutiers malouins, c'est le principal port d'armement, bien sûr, les pêcheurs, les hommes embarqués, viennent de tout le littoral de la Manche occidentale. Ils viennent un peu de Normandie, ils viennent de l'estuaire de la Rance, ils viennent du Penthièvre, ils vont jusqu'au Goëlo, jusqu'au Trieux. En gros, du Cotentin au Trieux, vous avez là un bassin d'emploi pour la main-d'œuvre morutière. Et puis alors, le deuxième élément important, c'est que au cours du 19e siècle, notamment avec le développement du travail de sécherie, soit sur la côte de Terre-Neuve, soit sur l'île de Saint-Pierre, le travail à terre impliquait moins des vrais marins que des travailleurs de force. Et on va recruter de manière croissante pour la grande pêche terre-neuvière, à côté donc de ces marins venant des communautés maritimes, des petits villages qui sont sur le littoral, on va remonter vers l'intérieur jusqu'à 10, 20, 25 kilomètres à l'intérieur. Et cette activité de recrutement, prendra une dimension tout à fait spectaculaire. Des témoignages d'époque nous montrent comment, autour de 1900, par exemple, il y avait une véritable, foire d'embauche qui se tenait au Vieux-Bourg, tout près de Mignac-Morvan, c'était sur l'ancienne route Rennes-Saint-Malo, où le 1er décembre, ou je crois que c'était le premier lundi de décembre, se rassemblaient 2 à 3 000 marins en quête d'embauche que les capitaines venaient contacter, qui venaient avec leurs familles, leurs enfants. Il y avait une foire au sens littéral, avec des toutes sortes d'activités, d'attractions. Nous avions là un temps fort de l'activité sociale scandée par la pêche morutière. C'était là le premier temps de cette vie sociale marquée par la morue. Il y en avait d'autres. Il y avait évidemment le moment de l'embarquement. L'embarquement, vous voyez ici une gravure de Mathurin Méheux qui nous montre sur un port qui n'est pas spécifié. Ah si, c'est Saint-Malo, on voit la tour du château, on voit le donjon du château. L'embarquement, donc sur les navires Terre-Neuve, vous voyez les coffres de marins, vous voyez aussi les femmes venues de l'intérieur avec leurs coiffes. Ce ne sont pas des malouines, certainement, avec ce type de costume, qui accompagnent leurs hommes pour ce qui est le dernier acte avant la grande campagne et la pratique du grand métier. Voyez ici, début XXe siècle, ces hommes, accompagnés aussi de leurs épouses ou de leurs parentes avec leurs coiffes, qui viennent embarquer, cette fois-ci non plus sur des goélettes, mais sur des vapeurs qui vont les transporter vers Saint-Pierre pour le travail de la sécherie à terre. Vous les voyez avec des paillasses sur leur dos, ils ont leur coffre, ils ont des paillasses. Vous voyez l'impression que cela donne d'une foule qui s'embarque, et vous la voyez encore plus ici. C'est l'un des 2 ou 3 vapeurs qui s'embarquaient pour Saint-Pierre et sa voisine Miquelon, qui partait donc courant mars avec un grand concours de peuple. On est là dans un des moments forts qui scande la vie sociale aussi sur tout le littoral de la côte nord de Bretagne, et notamment là, en l'occurrence, de Saint-Malo. Et je dirais, il n'y avait qu'un pas pour que l'on franchisse, mais on y reviendra, la solennisation de ce grand départ, c'est ce que l'on appelait le grand départ, ce départ des vapeurs avec 2 à 3 000 hommes embarqués chaque année, pour que l'on passe à une solennisation et, que l'on donne une dimension supplémentaire à ce grand départ lorsque l'on organisera les pardons. Reste alors, bien sûr, à voir les conditions de vie et de travail de ces marins embarqués pour Terre-Neuve. Les conditions de vie, ici, vous avez le fameux sabot-botte qui était, une des conditions de leur survie dans ce froid et cette humidité. Vous avez ici un poste d'équipage avec les bannettes dans lesquelles ils dormaient. Il y manque simplement, l'atmosphère, il y manque l'odeur aussi, assurément, qui faisait partie de ces conditions de la vie à bord.
et qui, déterminait pour une bonne part ce que l'on a appelé la GN islandaise, comme disait Charles Le Goffic. Donc, la vie à bord avec ses difficultés, mais je crois que s'agissant de la vie sociale déterminée par l'activité morutière, je crois qu'il faut dire un mot maintenant tout à fait essentiel, des conditions de travail. Cette grande pêche morutière, en effet, et c'est pour cela que le Périvon, je crois, utilise l'expression des bagnards de la mer, elle se caractérisait par un certain nombre d'éléments. D'une part, la durée du travail. Quand on partait pour une campagne, au-delà peut-être du voyage où il fallait préparer le matériel à l'aller, lorsque vous étiez sur les bancs autour de l'Islande ou à Terre-Neuve, vous alliez ensuite être au travail continu, sans arrêt, pendant des mois, pratiquement sans pause. La journée de travail n'était évidemment régulée par aucune réglementation. Vous travailliez tant qu'il faisait jour. C'était 16h, 18h, car vous travailliez l'été. Et plus l'on remontera vers le nord, et ce sera le cas notamment des chalutiers au XXe siècle, et plus la durée de la journée de travail s'allongera. C'était évidemment un travail sans interruption, pas de dimanche sur les bancs ou en Islande, pratiquement pas de jours fériés. Je crois qu'au XIXe siècle, deux jours simplement seront chômés par certains capitaines, le 14 juillet et le 15 août, pour faire de bonnes mesures, la fête laïque, la fête religieuse. Et en Islande, à certains moments, comme sur les bancs, lorsqu'il y avait une relâche, soit à Saint-Pierre pour les pêcheurs des bancs, soit dans un fjord islandais pour les pêcheurs allant autour de la grande île, il y avait quelques jours, quelques brefs jours d'intermède où l'on pouvait se reposer ou en tout cas rompre avec le rythme du travail. Mais je crois qu'il faut prendre conscience de cette durée du travail. Il faut prendre conscience aussi, bien sûr, de la pénibilité du travail. Pénibilité parce que c'est un travail physique harassant. Pensez au travail des doriciers, notamment, qui allaient poser leurs lignes à l'aviron, qui ensuite repartaient, remontaient leurs lignes, toujours à l'aviron, remontaient des dizaines et des centaines de morues, devaient les ramener avec tout le poids que cela représentait vers le bateau, quel que soit l'état de la mer, ou presque. Tant que le doris était à la mer, il fallait bien rentrer. Et puis qui ensuite devait se mettre, avec les autres qui étaient restés à bord, à découper la morue, à la préparer pour le conditionnement. C'était des conditions de travail absolument d'une dureté exceptionnelle qu'ont décrites bien des observateurs au XIXe et XXe siècle et qui, je crois, ne sont pas surfaites. Et puis, dernier élément dans ce panorama global des conditions de travail, c'était un travail aussi qui était, si je puis dire, dans une angoisse permanente qui n'est pas, je crois, un mythe. L'angoisse, c'était l'angoisse, des risques de mer. J'ai évoqué les conditions climatiques, la menace des icebergs. Plusieurs morutiers au XIXe siècle, début XXe encore, ont été coulés par des icebergs, de la banquise à certains fois, des navires pris par les glaces. C'était la menace, bien sûr, de la collision sur le banc de Terre-Neuve. La collision pour le navire, collision pour le doris, notamment lorsque la navigation des vapeurs va se développer fin 19e, début 20e, souvent des bateaux en pêche pouvaient être pris, comme aujourd'hui d'ailleurs au large de la Manche, par des navires qu'ils n'avaient pas vus ou qui n'avaient pas daigné les remarquer. Et puis, j'irais peut-être le plus angoissant, je crois que c'est là qu'on atteint le sommet sans doute de l'angoisse pour les pêcheurs, c'était la situation de ces pêcheurs en doris qui quittaient le navire mère pour aller à 2 ou 3 km mouiller leur ligne. Et puis, lorsqu'ils étaient pris par un banc de brume, ils n'étaient pas sûrs de retrouver le navire. Et on a de nombreux récits incontestables qui nous montrent des doris, qui se sont perdus avec leurs équipages qui rament, qui tentent de retrouver le navire pendant des jours et des jours et qui meurent d'inanition, bien évidemment, sans avoir retrouvé le navire sauveteur, le navire mère ou un autre. Donc, ces risques de mer étaient incontestables. Ajoutons-y les risques pendant les trajets. Avec le péril des tempêtes pendant les saisons d'équinoxe, notamment au retour, lorsque des navires revenaient avec des marins qui étaient à terre, à Saint-Pierre ou sur la côte de Terre-Neuve. Des navires chargés souvent d'hommes, non pas de morues, mais d'hommes qu'ils ramenaient à leur port d'armement, ont péri avec des pertes humaines considérables. En 1682, un navire coule avec 180 morts. On retrouvera des chiffres comparables dans les années 1900 à Saint-Malo, de navires donc qui ont été naufragés avec des charges humaines tout à fait considérables et déraisonnables. Et puis des grandes tempêtes qui, à certains moments, déciment une flottille. Je crois que c'est en 1908, il y a 10 morutiers malouins, en mars 1908, qui sont coulés
trois périssent corps et biens pendant une tempête d'équinoxe, alors qu'ils font route vers Terre-Neuve. Nous sommes en 1908. Donc, je crois que ces risques de mer ne sont pas un mythe. Le chanoine Carévéo, qui a travaillé sur Paimpol, a tenté de chiffrer. Il estime que les pertes de marins en mer entre 1852 et 1935 dépassent les 2000 hommes. Cela représente à peu près 3% des effectifs péris en mer. Et à partir de là, je dirais que les périls de la mer que les marins tentent de conjurer ne sont pas, je dirais, une mystification, c'est une vraie réalité. Et les ex-voto peints ou accrochés dans les porches d'église comme cette chapelle de Perrault-Samant près de Paimpol correspondent à quelque chose, je dirais, par rapport à cette grande angoisse du naufrage qui fait partie du quotidien de la vie de ces hommes, mais bien évidemment aussi de leur famille restée à terre. Alors, face à tous ces périls, face à ces dangers multiples et ces difficultés, comment faire ? Comment s'expliquer la résistance des hommes ? Alors, je crois d'abord, première chose, il faut bien voir qu'il y a un argument économique à souligner, c'est que pourquoi des milliers d'hommes sont allés faire ce métier si dur jusqu'au début du XXe siècle ? C'est que la pêche à la morue a recruté de plus en plus, notamment au XIXe siècle, une population issue des couches les plus pauvres de la paysannerie en arrière de la côte, du prolétariat rural, pour qui l'activité morutière, certes très dure, apportait un revenu supérieur pour eux et leur famille à ce qu'ils pouvaient trouver à terre. D'une certaine manière, c'était une opportunité économique. Opportunité économique payée par un travail harassant, par des risques de mer énormes, mais si l'on ne comprend pas qu'il y avait un différentiel de revenus entre ce que procurait la pêche à Terre-Neuve ou en Islande et l'activité agricole sur des fermes pour les paysans les plus pauvres, je crois qu'on ne comprend pas pourquoi, jusqu'aux années 1920-1930, des milliers d'hommes ont pu s'embaucher pour faire ce métier qui était un métier de chien, autant le dire. Donc il y a cela. Et puis d'autre part alors, pour faire face à ces conditions de vie très dures, il y avait un certain nombre, je dirais, de solutions compensatoires ou palliatives. L'un de ces palliatifs, il ne faut pas hésiter à l'évoquer, bien sûr, parce que c'est un sujet d'ailleurs de débat autour de la réalité de Terre-Neuve ou de l'Islande, c'est la question de l'alcool. Lorsque les capitaines, ou les armateurs, pardon, préparaient le ravitaillement, certes, ils se montraient exigeants sur les vivres, sur la viande notamment, était rarement en quantité et de qualité excellente. Par contre, il y a un poste sur lequel il ne mégotait pas, si je puis dire, c'était l'alcool. L'alcool, car il faut bien voir que les navires morutiers ont fonctionné avec l'utilisation d'un dopant, d'un stimulant, qui a été l'alcool. Je crois que c'est un choix qui a été assumé. Il était souhaité, d'ailleurs, par les marins qui s'y sont accoutumés. Il était encouragé par les armateurs. La consommation d'alcool sur ces navires était tout à fait considérable. En gros, on estime entre 0,40 et 0,50 litres de consommation d'alcool par jour, la consommation d'un marin morutier, d'après des statistiques totalement fiables. J'ai retrouvé dans un document de Cancale que la flottille, qui comporte à l'époque 20 navires et 520 matelots en 1901, emporte 15 000 litres d'alcool. Je dirais que la situation s'est même dégradée entre le XVIIe, XVIIIe et le XIXe siècle, parce qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les navires morutiers emportaient principalement comme boisson du cidre. Certes, bu en grande quantité, ça pouvait aussi donner des effets tout à fait désastreux, mais je dirais que le passage à la consommation massive d'alcool va être encore plus négatif. L'alcool, c'était un dopant. C'était un dopant qui permettait de tenir. On lui donnait des vertus de lutte contre le froid, je dirais, de stimulant de l'activité physique quand le travail était dur. Et puis alors, les capitaines l'utilisaient aussi, je dirais, pour fluidifier les relations sociales. Dès qu'il y avait à bord, on en avait marre, ça grognait, eh bien, on payait la tournée générale. Et c'est vraiment l'un des points sur lequel, je dirais, il y avait consensus, d'une certaine manière, entre marins, capitaines et armateurs. La pêche morutière, au XIXe siècle, a marché à l'alcool. Ceux qui le disent, ce sont d'ailleurs des observateurs tout à fait fiables. Ce sont les administrateurs de la marine ou les officiers des stations navales autour de Terre-Neuve et de l'Islande. Ce sont les aumôniers qui vont être embarqués par l'œuvre de mer sur des navires que l'Église va contribuer à financer pour accompagner ces marins terneuviers. Et donc, nous avons là, effectivement,
ce qui a été à la fois un des fléaux et sans doute une des conditions de fonctionnement de cette grande pêche morutière, de ce bagne flottant à des milliers de kilomètres de la Bretagne, qui a été la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve ou autour de l'Islande. Donc il y avait ce recours à l'alcool incontestable, avec ses conséquences parfois dramatiques, en termes même événementiels. Lorsque les marins buvaient, c'était grave, mais lorsque c'était le capitaine, c'était encore plus grave, et nombre de naufrages ont été dus sans doute à l'intempérance de certains capitaines. Et puis d'autre part, cette consommation abusive d'alcool avait évidemment des, je dirais, des effets sur la santé. Je dirais que la question du régime des retraites des Terre-Neuve ou des Islandais est une question assez abstraite, parce que l'espérance vie dans ce type de métier était effectivement très basse. Je dirais que dépasser les 45 ans était déjà un bel objectif. Et donc, il faut aussi avoir conscience de cela à travers la dureté du travail, la consommation d'alcool, les risques de mer. Nous avions là un métier, effectivement, qui touchait durement une population. Et puis alors, dernier élément, bien sûr, à côté de ces dopants stimulants, il y avait aussi les consolations et la consolation de la religion. Cette consolation, je dirais, elle faisait partie aussi de la culture maritime. Beaucoup d'historiens ont travaillé sur la religiosité des gens de mer. Je dirais que le rapport à la mer et à tous ces dangers a développé une sensibilité religieuse très forte depuis le Moyen-Âge chez les gens de mer, c'est certain. Cette religiosité s'exprimait de multiples manières. Elle s'exprimait avant le départ, d'ailleurs, souvent par des pèlerinages auprès de chapelles réservées aux marins, par exemple dans la zone Malouine, Notre-Dame du Verger, près de la pointe du Groin. Chaque port avait sa chapelle. La Trinité, près de Port-Zéven, à côté de Paimpol. Il y avait une chapelle également près de Dawet. Nous avions donc là ces lieux de culte pour les marins, souvent garnis d'ex-voto, c'est-à-dire, je dirais, de témoignages de reconnaissance de marins qui avaient été sauvés grâce à l'intercession auprès de la Vierge, car le culte privilégié des marins, c'était le culte marial, incontestablement, depuis longtemps, puis au moins le XVIIe siècle, et on le retrouve jusqu'au début du XXe siècle. Donc, ces ex-voto, qu'on voit ici à nouveau dans l'église de Perros-Samon, ou que l'on voit alors sous une forme plus spectaculaire, c'est l'exemple du mur des Péris en mer à Ploubazlanec, à côté de Paimpol, où là, on a plus que des ex-voto, ce sont des témoignages, je dirais, en l'honneur de ceux qui sont morts au loin et qui sont, je dirais, signalés sur ce mur. Il ne s'agit pas de tombes, mais il s'agit évidemment de traces laissées par ces péris en mer, homologues un peu à ce qu'étaient les proélas à Ouessant. Donc vous avez là toute une religiosité spontanée, profonde, réelle, et puis qui va être prise en main, fin 19e, début 20e siècle, je dirais, par les institutions officielles. Les institutions officielles, avec l'accord d'ailleurs des armateurs, même lorsqu'ils étaient républicains et anticléricaux à un moment comme à Paimpol, avec cette grande cérémonie qui est à la fois un événement mais qui est aussi un acte à connotation religieuse, le grand pardon. Je crois que le port où cela s'est développé d'abord, c'est Paimpol, avec, vous voyez ici sur les quais d'embarquement de Paimpol, avec la forêt de Mad et Goélette et leurs grands pavois, une foule, hommes, femmes, bien sûr, la procession, les bannières et le reposoir au bout du quai. Là, c'est le grand événement qui marque à la fois le départ et qui marque en même temps sa célébration religieuse, avec tous les gestes que l'on peut faire pour faire en sorte que ceux qui partent au loin reviennent, ce qui ne serait jamais le cas à 100%. Ce grand pardon, je pense qu'il avait une connotation profonde. Il a été vraiment quelque chose qui correspondait à une réalité vécue par les populations à Paimpol, malgré les débats qui l'ont entouré. À Saint-Malo, c'est plus tard qu'il va être créé. Il est créé, je crois, en 1926. Vous voyez ici le grand pardon des Terre-Neuve dans le bassin du Guétrouin, en face du casino, d'ailleurs, ce qui laisse déjà un peu rêveur. Je dirais que là, on est dans une phase où le grand pardon... vous voyez ici cette affiche pour un grand pardon, ou le pardon des Terre-Neuve à Saint-Malo, qui doit dater de 1929. Où là, je dirais que le grand pardon est en train de dériver de cette, je dirais, manifestation populaire à connotation religieuse profonde vers une manifestation à caractère social, sinon touristique. Il s'agit, sur cette affiche, vous le voyez, on parle non seulement du grand pardon, mais d'un grand tournoi de football avec la bénédiction des Terre-Neuviers, le grand bal au conseil et le grand bal au casino municipal. Je dirais que dans cet entre-deux-guerres où la pêche morutière va commencer à décliner fortement,
Le grand pardon est en train de s'orienter vers ce que sera le départ de la route du Rhum. On est en train de sortir, en quelque sorte, de ce qui faisait la force et la spontanéité de cette manifestation, vers quelque chose de beaucoup plus fabriqué. Et ceci nous amène, bien sûr, à une conclusion ou à un épilogue. Vous le voyez, et chacun de ces points que j'ai évoqués aurait pu être creusé beaucoup plus, bien sûr, cette grande pêche morutière a été vraiment une grande page d'histoire totale pour une partie de la Bretagne, notamment la côte nord de Bretagne. Je crois qu'il est important qu'elle reste dans les mémoires et qu'elle le reste dans sa réalité vraie, si je puis dire, au-delà des travestissements, au-delà des mythologies. En même temps, et ce sera ma dernière réflexion, la trajectoire de la grande pêche morutière nous interpelle sur des réalités encore plus larges. Le point de départ, c'est début XVIe siècle, les premiers navigateurs européens sur les bancs de Terre-Neuve qui sont absolument émerveillés de l'abondance des bancs de morue autour des Terre-Neuve et aux abords de l'Amérique. La morue, comme poisson, c'est la manne divine, en quelque sorte, qui paraît se renouveler, sans limite, et être en quelque sorte une solution pour la fin des hommes, là-bas en Europe, tout à fait, merveilleuse. Et puis, cinq siècles plus tard, dès la fin du XXe siècle, la morue va devenir, parmi les ressources halieutiques, sans doute, la plus emblématique quant à l'apparition de phénomènes majeurs qui nous interpellent sur le devenir du monde. La morue va connaître, comme l'on dit aujourd'hui pour d'autres activités halieutiques, une crise aiguë de la ressource dès les années 1970-1980. Crise aiguë de la ressource, amenant d'ailleurs certains États qui contrôlaient ce poisson dans leurs eaux territoriales à instaurer d'abord des quotas, puis des phénomènes d'interdiction. Ce sera le cas du Canada dès les années 80, puis surtout après 1992. Ce sera le cas de l'Islande, c'est partiellement le cas de la Norvège. On voit tous les débats autour de la préservation de la ressource fleurir à propos de la morue. Et puis, le résultat de tout cela, si l'on regarde notamment l'Amérique du Nord, c'est que malgré la décision radicale prise par le Canada en 1992 de stopper la pêche morutière tout court, en principe, je crois au départ, ça devait être pour 5 ans, mais ça a été renouvelé et c'est toujours en cours, malgré l'arrêt complet de la pêche morutière, le fait majeur, c'est que dans certaines zones qui apparaissaient vraiment les zones les plus poissonneuses du globe, les bancs de Terre-Neuve, eh bien, la morue n'est pas revenue. Et donc, à partir de là, ce fabuleux poisson qu'était la morue nous interroge aussi sur la fragilité de ces stocks de ressources biologiques, avec en même temps des débats. Quels sont les facteurs? Alors, il y en a un qui est évident, ça a été la surpêche. Le développement au XXe siècle, je n'en ai pas parlé, mais ce serait un autre sujet, du passage à la pêche mécanisée, à la pêche non seulement avec des navires munis de moteurs, mais utilisant le chalut cette fois-ci, qui va multiplier de manière tout à fait considérable la capacité de pêche et de capture. Pour donner un seul chiffre, je crois que s'il est donné par Jean Récher à propos de Fécamp, vers 1930, les morutiers à voile traditionnels qui réalisaient les meilleures pêches, ramenaient 300 tonnes de morue. En 1950, à peu près, je crois, il commence à pêcher sur des navires à vapeur, sur des navires diesel, d'ailleurs, chalutiers. Le navire qui réalise la plus belle pêche en 1950 ou 51, c'est plus de 3000 tonnes. On multiplie par 10 la capacité de pêche. Et simultanément, des flottes de tous les pays du monde, et pas seulement des vieux pays européens qui pratiquaient cette pêche morutière, ou les Canadiens, vont affluer sur les bancs de Terre-Neuve, les chalutiers soviétiques, allemands, polonais, coréens bientôt, etc., etc. Bref, la surpêche. Ceci étant, il y a bien évidemment cette responsabilité indéniable. La capacité de pêche que les hommes ont été capables de déployer au cours du XXe siècle a mis à mal même la morue, avec ses capacité pourtant de reproduction qui était montée en exemple comme tout à fait, je dirais, exceptionnelle. Ceci étant, il faut aussi que la recherche là, puisse continuer à travailler dans d'autres directions, car la question de l'affaiblissement ou de la disparition des stocks ne renvoie peut-être pas seulement à l'activité humaine, ça renvoie aussi à des phénomènes climatiques. Début XVIIIe siècle, il y avait déjà eu une crise de la ressource au large de Terre-Neuve
qui était dû à des facteurs climatiques. Des facteurs climatiques, d'ailleurs, inverses de ceux que nous connaissons, c'est-à-dire une poussée, je dirais, d'un petit âge glaciaire, d'une poussée du froid fin XVIIe, début XVIIIe siècle, qui avait fait déserter les parages de Terre-Neuve à la morue. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, bien évidemment, que je ne vais pas, je ne suis pas le plus qualifié pour le faire, d'ailleurs, préciser ici, dans quelle mesure aussi les facteurs climatiques à l'œuvre, notamment dans cette partie nord de l'océan Atlantique ou dans l'océan Arctique, dans quelle mesure les facteurs climatiques ne sont pas aussi pour partie responsables de cette menace réelle de disparition de la morue. Alors, je termine cet exposé sur cette dernière photo, celle de la Grande Hermine, chalutier usine pêche arrière de la compagnie Malouine des Pêches, qui a fait encore en 2007 une campagne de pêche à la morue au large de la Norvège, sur la base d'un quota concédé par les Norvégiens. La pêche morutière est donc, si je puis dire, encore vivante à travers l'activité de cet unique navire. Est-ce qu'elle va continuer en 2008? Eh bien, point d'interrogation ai-je mis. Je crois que la question est posée. La pêche à la morue est peut-être en train de vivre, je dirais, ses derniers mois d'existence. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est une réalité qui nous interpelle sur l'évolution des ressources halieutiques à travers le monde. Je dirais qu'à travers cette trajectoire de la morue, on voit comment l'homme a pu passer de l'exploitation d'une abondance de poissons et de ressources fournies par la nature à une surexploitation et à sa destruction. C'est aussi ça, l'histoire de la grande pêche morutière, mais c'est un sujet qui mériterait bien sûr de plus longs développements. Je vous remercie. Et ben peut-être voulez-vous commencer, Éric Morin, peut-être une réaction. L'exposition donc, qui est la vôtre en ce moment au Musée de Bretagne, c'est sur l'histoire et la mer. Là, c'est une page d'histoire qui est importante pour la Bretagne. Est-ce que vous avez une réflexion, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? J'ai fait les propos d'André Espagnol ont fait écho à des choses que j'ai pu dire tout à l'heure sur les drames qui sont à l'origine de l'expo dont on vous parle, bien sûr. Donc ça a été largement évoqué. Et puis, eh bien, il y a tout ce trafic qui est évoqué, tous ces circuits commerciaux qui se mettent en œuvre à une échelle mondiale quasiment. Européenne ou transatlantique pour le moins, et dont se fait l'écho également l'exposition, effectivement. C'est quelque chose de très important dont on a peine à imaginer. Les mondialisations, on en parle pour notre siècle. En fait, elle est à l'œuvre, même si ça ne s'appelait pas comme ça, bien sûr, ce serait un petit peu anachronique, mais elle est à l'œuvre depuis de nombreux siècles déjà. Et c'est un petit peu les premières réflexions qui me sont venues comme ça à l'écoute de l'intervention. Grand voyageur, je vous propose d'interroger directement le conférencier, nos invités. Alors il y a, comme d'habitude, monsieur, le micro va arriver jusqu'à vous. Merci monsieur l'Espagnol, merci infiniment d'avoir fait revivre avec autant de talent la vie des Terre-Neuvains. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un parallèle entre la fécondité de la morue que vous avez évoquée dès le départ et celle des ménages de Terre-Neuve qui, après un certain nombre de campagnes, se trouvaient à la tête d'un capital, et je sais de quoi je parle, parce que l'un de mes ancêtres, était, avant de devenir corsaire du roi, était Terre-Neuve. Il s'appelait Féticompère. C'était son surnom, avait épousé une jeune femme de 15 ans et au bout de 15 campagnes, se retrouvait à la tête d'un capital de 15 enfants. Est-ce qu'il n'y a pas lieu donc de parler aussi du taux de fécondité des ménages de Terre-Neuve? Je ne sais pas, peut-être était-ce généralisable. Peut-être, mais bon, oui, si on va sur ce terrain-là, oui. Juste un point, effectivement... le monde de la mer avait une fécondité assez importante pour une raison qu'il faut bien comprendre. C'est que dans le monde paysan, sous l'Ancien Régime jusqu'au milieu du XIXe siècle, la fécondité est limitée par l'âge tardif au mariage. Parce qu'il faut attendre de pouvoir s'installer sur une terre pour fonder une famille. Il faut savoir que, alors là, on est loin des Terre-Neuve, mais on va y revenir.
L'âge moyen au mariage des paysans au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est 28-29 ans, hein, ce qui limite d'autant la fécondité. Par contre, dès qu'on peut avoir jeune une activité avec un revenu monétaire, ce qui était le cas de la pêche à Terre-Neuve ou en Islande, on peut prendre femme, et donc à partir de là avoir des enfants. Les méthodes contraceptives ne sont pas vraiment très diffusées dans nos zones littorales, même si les marins sont peut-être là-dessus un peu en avance. Donc, effectivement, des phénomènes de fécondité dans le milieu maritime ou dans le milieu des paysans qui deviennent des paysans pêcheurs, effectivement, ça existe. On trouve la même chose, d'ailleurs, par rapport à ceux qui vont se livrer au travail textile. Donc, ce n'est pas propre simplement au monde de la mer. C'est le fait, la possibilité d'avoir un revenu. Alors, vous voyez qu'on déborde sur d'autres sujets, mais d'avoir un revenu monétaire précoce qui peut vous amener à fonder très tôt une famille et à développer donc une famille avec un nombre d'enfants important. Ce qui n'était pas le cas dans le monde paysan classique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais pour poursuivre sur la question de monsieur, vous nous avez parlé des conditions de vie des Terre-Neuvains. On n'a pas beaucoup parlé de leurs femmes. Alors, comment est-ce qu'on vivait quand on était famille de Terre-Neuvains ? Effectivement, bon, j'avais une heure un quart pour brasser un sujet très vaste. Leurs femmes, on les a entreaperçues au moment du recrutement ou de l'embarquement. Des pardons. Et en même temps, on les a vues aussi au moment des douleurs et des peines devant le mur des péris en mer. Ceci étant, tout n'était pas drame. Et tous les Terre-Neuvains, Dieu merci, ne périssaient pas en mer. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre d'abord, y compris pour les femmes de milieu populaire, enfin, Terre-Neuve n'était pas une mauvaise affaire parce que les marins... Alors, j'ai oublié de parler de cela, effectivement, vous faites bien de me le préciser. Lors de cette embauche et lors de la signature de l'acte d'engagement, dans la pêche terre-neuvière, où l'on partait pour plusieurs mois, l'armateur payait des avances. À la femme. Des avances au mari. Alors, le premier problème de la femme, c'était de garder une bonne partie de ses avances avant que tout ne soit bu au cabaret. Hein, être sérieux. Mais il y avait toute une bataille qui se tenait sur les quais. Hein. Mais globalement, il y avait une avance payée, effectivement, à l'homme qui était embauché. Et cette avance devait permettre à la famille de vivre en attendant le retour. Et la deuxième partie du revenu, c'est un point important, ça me permet de développer ce point-là, la deuxième partie du revenu, c'était au moment, une fois la campagne de pêche terminée, la vente faite, et là, les marins terre-neuviers, comme l'essentiel des marins pêcheurs, étaient dans un système de rémunération à la part. C'est-à-dire que sur la pêche de l'année, il y avait des règles complexes alors de partage qui s'opéraient, effectivement, et où une partie du revenu était gagée sur le résultat de la campagne. Et donc, il y avait une deuxième partie du revenu qui revenait aux marins qui avaient débarqué, cette fois-ci, à sa famille. Et donc, je dirais, bien voir que par rapport à certaines situations du monde rural, excusez-moi, je parlais trop loin du micro, certaines situations du monde rural, la situation de femmes de Terre-Neuvier ou d'Islandais n'était pas la pire. Je ne dis pas qu'elle était rose, mais elle n'était pas la pire. Alors, ceci étant, la contrepartie, c'était l'absence de l'homme. C'est classique que dans une partie au moins du monde maritime, ça avait évidemment des conséquences majeures sur la conduite de la famille, sur la responsabilité de la femme. Ces sociétés de la Bretagne Nord, du monde de la grande pêche morutière, sont des sociétés où le rôle de la femme est très important. Ce sont elles, effectivement, qui tiennent la maison, qui élèvent les enfants, qui opèrent, qui font toutes sortes d'actes nécessaires à la vie sociale. Et donc, elles avaient une place à part. Alors, avec le temps fort que pouvaient... Les deux temps forts, qui étaient l'embarquement d'un côté et de l'autre, le retour. Avec, en même temps, on le dit dans certains témoignages, la difficulté aussi pour l'homme de retrouver sa place quand il débarquait au mois de novembre, avant le rembarquement au mois de mars, dans cette famille et dans ce village qui vivait sans lui. Donc, ce qui fait que souvent, d'ailleurs, je dirais, les marins Terre-Neuvains débarqués, ils vivaient entre eux, ils se retrouvaient pour taper le carton au cabaret du coin. Et donc, c'est aussi ça. Mais on le retrouvera, ça, d'ailleurs, aussi par rapport à la marine marchande au XXe siècle, lorsque, dans certaines de ces zones, d'ailleurs, c'est la marine marchande qui prendra le relais de la grande pêche morutière. Merci. Une autre question ? Monsieur ? Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez, en ce qui concerne les affrètements, d'un système de répartition du coût de ces affrètements entre différentes personnes par un système de parts. Oui. J'aurais voulu savoir si ce système de parts aurait pu permettre à des négociants, par exemple,
vivant dans la Bretagne intérieure, de participer aussi à ces armements de navires morutiers. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'affrètement, vous avez raison. C'est un point que je n'ai pas pu développer, c'est le problème de comment étaient financés les armements morutiers. Donc, vous aviez des armateurs dans les ports, à Saint-Malo, à Paimpol, à Cancale, à Dahuette, etc., qui équipaient le navire, dont ils s'estimaient propriétaires. Mais en règle générale, et ça vaut pour l'essentiel de l'armement maritime jusqu'au XIXe siècle, les navires étaient propriété d'une société dont le capital était divisé en parts, ce qu'on appelait les kirates, d'ailleurs, c'est un mot méditerranéen, des sociétés de portionnaires, en parts, qui étaient d'ailleurs des subdivisions du capital, un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième, etc. Ça pouvait aller jusqu'à un 64e, un 128e. Et donc, à partir de là, il y avait une diffusion du capital. Alors, dans les ports d'armement eux-mêmes, je vous dis par exemple, à Paimpol ou Cancale, le pharmacien du coin, le commerçant moyen possédait des parts de navires. Il n'était pas armateur, mais il participait au capital. Et ça remontait, effectivement, ça se diffusait plus largement. Moi, j'ai travaillé sur le XVIIe, XVIIIe siècle. Effectivement, des bourgeois de Dinan, des bourgeois de Lamballe, de Rennes, de Vitré, avaient des parts dans les morutiers. Donc, il y a diffusion du capital au-delà des seuls ports d'armement. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est une activité qui avait un impact économique sur toute une bande littorale, ça va même assez profondément dans les terres, à travers la question du financement des armements. Et donc, les profits que pouvait procurer l'armement de Terre-Neuvier, ils n'étaient pas seulement concentrés dans les ports, même si c'était les armateurs les premiers gagnants, ça se diffusait également plus largement. Merci. Madame ? Dans la marine de guerre, il existait, enfin au moins à partir du XVIIIe siècle, des chirurgiens sur les navires qui avaient fonction de pharmaciens et de médecins également. Donc je voulais savoir, puisque vous parlez quand même d'une population de pêcheurs très importante, comment était organisé le système de santé s'il en existait un. D'accord. Je crois que là, il y a eu plusieurs phases. De fait, il faut bien voir qu'à partir des années, à partir de Colbert, en gros, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais l'État qui a besoin de marins pour la flotte de guerre se préoccupe, y compris de la santé des marins. Et des règles sont fixées fin 17e pour qu'au-dessus d'une certaine taille de navire ou d'un certain nombre de matelots embarqués, on doive embarquer un chirurgien. Et donc, fin 17e et au 18e, les gros morutiers qui vont vers la côte de Terre-Neuve embarquaient un chirurgien. Alors après, quelle était la compétence professionnelle du dit chirurgien, on peut beaucoup discuter, mais il y avait ces règles. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à partir de la Révolution et de ses lendemains, on est dans une phase, soyons clairs, de dérégulation. Et donc ces règles tombent à l'eau. Et au 19e, il n'y a plus d'obligation d'embarquement de professionnels de la santé sur les navires morutiers. Alors, le problème va devenir aigu. J'ai évoqué, entre autres, les conséquences. Il y a les conséquences du travail en mer. J'ai parlé des effets de l'alcoolisme. Il n'y a pas que ça. Il y a évidemment, notamment, la dureté du métier, le fait qu'on s'accroche des hameçons dans les mains, qu'on ait des panaris, le fait qu'on se coupe un doigt en coupant la morue, etc., etc., qu'on se brise une jambe en accostant avec son Doris contre un navire par grosse mer. Donc, les risques de blessures étaient considérables et d'altération de la santé. Et donc, on voit monter cette préoccupation chez ceux qui, de l'extérieur, observent ce monde de la pêche morutière. C'est d'abord, les administrateurs de la marine et les officiers de marine qui sont en station sur les bancs. Ceci étant, on ne rétablit pas l'obligation de mettre des chirurgiens à bord des navires. Par contre, ce qui va se développer, ça va être, mais c'est à partir de 1898 seulement, à travers le développement de tout un mouvement philanthropique, souvent lié à l'Église catholique, le développement de ce qu'on va appeler la société des œuvres de mer, de l'œuvre de mer, avec le financement de navires hôpitaux qui vont aller sur les bancs de Terre-Neuve pour pouvoir, en quelque sorte, intervenir auprès des navires en pêche. Et en Islande, ça ira même plus loin, enfin, à Saint-Pierre et en Islande, vont être créés des hôpitaux à terre, puisqu'il y avait quand même ces deux bases, soit à Saint-Pierre, l'île de Saint-Pierre près de Terre-Neuve, soit à Reykjavik, où des hôpitaux vont être construits avec des fonds
amené par la Société de l'œuvre de mer pour permettre effectivement de soigner la santé des marins lorsqu'ils débarquaient. Ceci étant, est-ce qu'un capitaine en pêche, lorsque la pêche était bonne, allait se précipiter vers le port le plus proche pour débarquer son matelot? C'était pas garanti. Et donc, la question de la santé et je dirais du traitement de toutes ces blessures ou maladies qui pouvaient arriver pendant le séjour en mer était loin d'être résolu dans cette phase. L'idée générale que je voudrais dire simplement, c'est que il me semble moi que la situation des matelots de la grande pêche morutière a atteint sa difficulté maximale, à la fois en termes de santé, mais aussi en termes de risque de mer, dans la période finale de la marine à voile, c'est-à-dire entre 1875 et 1914. C'est là notamment, avec la pêche en doris, que les risques ont été maximaux. C'est là que la dérégulation a été la plus forte, parce que nous sommes en phase de retrait de l'État par rapport à l'ancien régime. Alors, des chirurgiens, mais des aumôniers, peu de chirurgiens, des aumôniers un peu plus ou... Oui, alors des aumôniers... Il y avait là aussi, il y avait des textes réglementaires sous l'Ancien Régime qui imposaient, mais au-dessus d'un seuil de navire qui dépassait celui des morutiers. Donc il y a eu peut-être quelques morutiers à Terre-Neuve au début du XVIIIe siècle, mais peu. Au XIXe, pas du tout sur les navires. Par contre, j'ai parlé du développement de la Société de l'œuvre de mer. Donc l'Église catholique va s'intéresser effectivement... je dirais aux besoins spirituels, non seulement aux besoins sanitaires des populations de marins, à l'extrême fin du XIXe siècle, et sur ces navires, un certain nombre de navires, donc qui sont des navires d'assistance, comprenaient, étaient animés d'ailleurs souvent par des aumôniers qui étaient, comme par exemple le Père Yvon, qui était un capucin. Capucin aumônier à Terre-Neuve et en Islande. Donc il y en a eu quelques-uns comme ça qui étaient des personnalités hors du commun et tout à fait remarquables et qui effectivement essayaient d'apporter non seulement la bonne parole, mais je dirais leur assistance effectivement à ces marins dont la condition était extrêmement dure. Merci. Ce que vous évoquez là me fait penser aussi, André Espagnol, à une exposition qui avait été présentée il y a quelques années à Rennes, qui s'appelait Islande en vue, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, qui présentait justement des photographies d'officiers de marine français. Des photographies sont conservées dans les collections du Musée national d'Islande, à Reykjavik, et qui présentait un petit peu ce travail d'accompagnement des marins, ces hôpitaux à terre en Islande, et puis aussi ces cimetières qui existent également. Oui, oui. Effectivement, je dirais que dans la période 1939, il y a un effort quand même pour apporter des solutions aux problèmes à la fois sanitaires et, je dirais, d'accompagnement spirituel des hommes. Quoi. Et les hôpitaux, les navires hôpitaux, les hôpitaux à terre, les navires hôpitaux, les navires de l'œuvre des mers, y compris, on essaie d'étendre un peu en Islande ou à Saint-Pierre, ce qui se développe sur le littoral breton, avec l'œuvre de, comment il s'appelle, de Tézac, sur l'abri du marin. Donc, dans cet esprit, notamment, d'arracher le marin à sa tentation majeure, qui est la boisson dans ces périodes de rémission. Tout cela se développe dans cette dernière période, effectivement. Je crois, par contre, que la période, mettons, 1815-1895, a été extrêmement dure, où là, vraiment, on est dans une période de dérégulation complète et où, je dirais, les marins sont face à leurs capitaines, leurs armateurs et aux éléments, sans que rien ne vienne vraiment leur apporter du secours. Je crois que c'est la période la plus dure. Merci. Alors, monsieur Lahoux, ensuite, ici... Alors, est-ce que... Qui parle fort ? Vous pouvez parler fort et puis... Oui. Alors... Je vais peut-être, juste pour l'enregistrement, reposer la question de monsieur. Donc, le cidre, mais quels alcools après ? Sur les types de boissons. Alors, au XVIIe, XVIIIe siècle, et là on a des analyses complètes de l'avitaillement, hein, on embarque principalement du cidre. Alors, c'est du cidre de Lavranchin qui arrive à Saint-Malo en quantité considérable. Un petit peu d'alcool aussi, mais je dirais que l'alcool, c'est vraiment pour les jours de fête, quoi. C'est-à-dire les quantités ne sont pas, sont pas énormes. C'est le cidre, la boisson courante. Ça avait d'ailleurs un avantage, le cidre. Il faut bien voir, c'est que la consommation de l'eau douce à bord des navires était problématique pour la santé, parce que le problème de la conservation de l'eau, quand vous pêchiez sur le banc, quand vous étiez à terre, pas de problème, mais quand vous pêchiez sur le banc de Terre-Neuve pendant des semaines... l'eau était... Il faut bien voir que dans l'alcoolisme maritime, il y a aussi ce facteur qui est que l'eau est malsaine, ce qui est vrai. L'eau croupit dans des futailles, et donc boire du cidre, c'était plus sain que boire de l'eau, c'est sûr.
Alors, sauf que ce qui se passe au 18e, au 19e siècle, c'est le remplacement progressif, pas total, mais progressif du cidre, même si on en embarque un peu, par l'alcool, consommé en quantité considérable. Et donc là, effectivement, c'était la porte ouverte à l'alcoolisme. C'est quel type d'alcool ? C'était les alcools forts ? Dernier élément, c'est qu'au tout début, 18e, début 19e siècle, c'est principalement de l'alcool que l'on fabrique à partir des pommes. Donc c'est de l'eau de vie de pomme qu'on embarque. Sauf qu'on n'arrête pas le progrès. Au cours du 19e siècle, se développe la production d'alcool industriel à partir de la betterave, de la pomme de terre. Et moi, dans des analyses des administrateurs de la marine à Cancale ou Saint-Malo, début 20e, c'est de l'alcool allemand qui est importé, fabriqué avec je ne sais pas trop quoi. C'est des betteraves, c'est des pommes de terre, c'est, je ne vais pas dire que c'est de la sure de bois, mais c'est de l'alcool vraiment de très mauvaise qualité qui est vraiment un poison pour la santé des hommes et qui est évidemment moins cher. On est dans une logique de l'armement au moindre coût. Alors, la quantité, oui, la qualité se dégrade. Ce qui fait que c'est pour ça que je pense que la situation, si vous voulez, la situation sanitaire des marins entre le 17e et la fin 19e siècle s'est dégradée, incontestablement. Ah non. Ah, je ne sais pas si les skippers emportent du rhum avec eux. Non. Alors, le seul lien avec la route du Rhum que je peux faire, c'est à l'envers, c'est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, et ça continue au XIXe, une partie des morutiers allait livrer leur cargaison aux Antilles. La morue servant d'une part celle de bonne qualité à l'alimentation des maîtres de plantation et de la bonne société, et la partie la plus, je dirais, de moindre qualité à l'alimentation des esclaves, puis des ceux qui travaillaient dans les plantations. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez les acras de morue dans la cuisine antillaise. Donc, ce qui fait qu'au retour, effectivement, les morutiers ramenaient du rhum, ça c'est clair. Et donc, qu'on ait consommé aussi du rhum au retour des Antilles, je vous le concède. Merci. Une autre question, monsieur, ici ? Je voudrais donner un petit témoignage pour corroborer l'excellent exposé de M. l'Espagnol. J'ai eu un de mes grands-pères qui était Terre-Neuve. Il a commencé en 1880 comme mousse dans la région de Paimpol. Il a fait toute sa carrière comme Terre-Neuve, à Terre-Neuve et à Islande, comme on dit, non pas en Islande. À Islande, oui. Et il est mort à 91 ans, ce qui fait que tout de même, il y avait des exceptions. Oui, mais il y a des exceptions. Ce qui fait que j'ai bien pu le connaître. Et il me disait que la grande, vous l'avez évoqué du reste, la grande terreur de ces marins, de ces pêcheurs, surtout sur les bancs de Terre-Neuve, était effectivement de se perdre dans la brume. Il m'en a parlé plusieurs fois, c'était vraiment l'angoisse, c'était oui. Plus qu'une angoisse, c'était une véritable terreur, parce que quand il passait en Doris, une partie chaque année ne revenait pas, se perdait. Quoi. Et ça effrayait vraiment beaucoup les autres. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le moment le plus terrible de la pêche à Terre-Neuve lorsqu'on introduit le Doris. Oui. Alors, concernant les femmes, effectivement, les femmes avaient souvent des familles nombreuses. Enfin, chez lui, il y avait même 7 enfants. Les 4, d'ailleurs, 4 garçons sont devenus marins, ce qui prouve quand même que la pêche à Terre-Neuve ne déditionnait pas. Elle rapportait. Mais les femmes étaient pratiquement, enfin, dans la région de Paimpol, tout au moins, étaient très souvent, en même temps, agricultrices. C'est-à-dire qu'elles avaient une petite ferme, elles entretenaient et s'occupaient, elles avaient bien sûr la famille à entretenir. Mais j'ai de nombreux exemples de petites fermes qui étaient tenues par des femmes de Terre-Neuve, qui, en plus de leurs plus nombreux enfants, élevaient aussi 2 vaches, 3 cochons, ou en cultivant 1 ou 2 hectares. C'était vraiment une des bases de l'économie rurale de ces régions côtières, dans certaines régions, tout au moins de Bretagne, je crois. Qu'est-ce qu'en pensez-vous ? Tout à fait, non, mais je corrobore pleinement ce que vous dites. Je l'ai évoqué trop rapidement, hein, mais c'est sûr que, alors que peut-être au XVIIe siècle, le recrutement des marins de Terre-Neuve est principalement un recrutement des paroisses maritimes, plus la pêche se développe dès le XVIIIe siècle, dès la fin XVIIIe et au XIXe, plus le recrutement se fait vers l'intérieur. Et donc, évidemment, ce sont, je dirais, des pêcheurs paysans, mais où l'exploitation est tenue par la femme et ceux des autres membres de la famille qui restent à terre. Et donc, il y a un système mixte qui permet effectivement d'avoir un équilibre, alors avec, d'une part, les revenus de la ferme, y compris de l'autoconsommation agricole, hein, et puis, d'autre part, un revenu monétaire qui est apporté par le Terre-Neuve ou l'Islandais, et qui permet effectivement d'assurer la vie de la famille et son développement. Donc il y a un système, et on voit bien que jusqu'à la guerre de 14,
Moi, ce qui me frappe, alors que les conditions de vie, de travail sont quand même très dures, et les risques et la peur, ça existe. Néanmoins, la machine fonctionne, on recrute. C'est donc qu'il y a un intérêt économique. Ils ne sont pas obligés d'aller à Terre-Neuve ou à Islande. Ils pourraient d'ailleurs, y compris, émigrer à Paris dès cette époque-là, hein, ou émigrer ou travailler sur des chantiers, du chemin de fer, du bâtiment, etc. Non, Terre-Neuve attire, parce qu'un certain nombre d'observateurs le disent, le revenu apporté par la pêche à Terre-Neuve ou à Islande est comparativement plus fort que celui que procurent des métiers peu qualifiés autour. Donc il y a bien un argument économique. Hein, et dans un système, effectivement, d'équilibre, de famille de paysans-pêcheurs. Merci. Monsieur ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question concernant la protection des bancs et des lieux de pêche à Terre-Neuve par la Royale et ensuite par la Marine nationale. Je fais référence à des manuscrits qui existent, je crois, à Paris, de Bachelot de Lapillet, qui embarque en 1820 sur un navire qui part de Brest, uniquement pour aller livrer du matériel aux bateaux qui sont en pêche. Et il raconte qu'il y a des havres tout au long de la côte de Terre-Neuve. Bien sûr. Et que les bateaux de la marine, disons, assistent. Bien sûr. Donc, alors, cette protection s'est mise en place à partir de quelle époque ? Deux choses. D'abord, première chose, au XVIIe siècle, par exemple, c'était les armateurs, les pêcheurs qui s'auto-protégeaient eux-mêmes. À Saint-Malo, au XVIIe siècle, les armateurs cotisaient pour se payer un navire d'escorte. Parce que c'était dangereux de quitter les eaux de la Manche. Et puis, d'autre part, je n'ai pas évoqué ce point-là, mais au XVIIe siècle, par exemple, sur la côte, ce qu'on appelle le Petit Nord, la partie nord-est de Terre-Neuve, les morutiers, les pêcheurs morutiers malouins, ont été souvent en conflit avec des Inuits qui descendaient du Labrador. Il y a eu des rixes et des batailles rangées très fortes. Donc il y avait une autoprotection. Par contre, l'entrée en scène de la marine, alors royale, puis nationale, mais c'est à l'époque qu'on l'appelle la royale d'ailleurs, hein, fin 19e, la royale en général, donc, elle entre en scène, je dirais, après 1763, fin 18e, dans la mesure où il faut bien voir que pour l'État, qu'il soit monarchie, empire ou république, peu importe, pour l'État, la pêche à Terre-Neuve a un enjeu stratégique parce que dans l'idéologie des responsables de la marine dans la longue durée, Terre-Neuve, c'était la pépinière qui fournissait des matelots, les meilleurs matelots, pour les flottes de guerre. Et donc, il s'agissait de protéger, effectivement, cette pêche, non seulement pour son intérêt économique, mais pour son intérêt stratégique. Et donc, dès avant la Révolution, il y a des navires royaux qui vont, effectivement, patrouiller et apporter une aide. Et alors, au XIXe siècle, ça se systématise. C'est ce qu'on appelle, sous la Troisième République, les stations navales à Terre-Neuve et autour de l'Islande. Et ça va durer jusqu'à l'entre-deux-guerres, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Excusez-moi, Madame de... Excusez-nous, le micro arrive jusqu'à vous. Voilà, moi, je voulais vous poser une question concernant les femmes de marins, parce que j'avais été très étonnée à Cancale de voir à quel point le port de La Houle, il y avait une vie communautaire extrêmement soudée, à tel point que, par exemple, des enfants, quand il n'y avait pas la place chez l'un, allaient dormir chez l'autre. Lorsque une femme était veuve, la soupe était communautaire. Et il y avait quand même un matriarcat, il faut le dire. Oui. Hein ? Et je ne sais pas, est-ce que c'était aussi fort dans les autres ? Alors, le cas de Cancale est intéressant. C'est vraiment, là, on est dans une communauté maritime. Vous voyez, à Cancale même, La Houle, c'est un port de marins. Vraiment, c'est le bas du bourg de Cancale. Et effectivement, là, il y a une tradition maritime. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette tradition maritime et cette vie communautaire n'est pas liée directement à la pêche morutière, parce que Cancale est un port actif depuis des centaines d'années, avec d'autres activités qui étaient d'une part la pêche aux huîtres et le travail des huîtres, et d'autre part la pêche tout court. Les bisquines de Cancale ne pêchaient pas la morue. Donc, il y a toute cette activité maritime à Cancale qui préexiste. Et l'épisode morutier à Cancale dure une trentaine d'années, 1885-1914. Mais ça a renforcé cela, et je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai fait travailler un peu sur Cancale aussi, il y avait là
dans ce port de la Houle, une communauté maritime extrêmement soudée. On en trouve quelques autres exemples sur le littoral breton ou normand, hein, c'est vrai. J'ajouterai un dernier mot, parce que je n'ai pas évoqué cela non plus, mais je ne pouvais pas tout dire en une heure un quart, même si j'ai débordé le temps habituel des conférences, mais c'était avec l'accord de ceux qui l'ont organisé. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, je ne l'ai pas évoqué, mais début XXe siècle, on va voir se développer dans le monde de la pêche morutier, qui était pourtant très atomisé et très loin des réalités du continent, des mouvements de résistance sociale. À partir de 1907-1908, il y aura notamment des conflits sociaux à Saint-Malo autour des conditions d'embauche et des dénonciations de la manière dont les armateurs, par exemple, effectuent les partages en fin de campagne et sur les conditions d'engagement. Et il y aura un mouvement avec des manifestations, un processus de syndicalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette phase d'agitation, qui correspond à un mouvement qui en France est général, d'ailleurs c'est pas seulement dans le monde de la pêche, va atteindre son paroxysme en 1911 à Cancale, lorsqu'à la suite de conflits justement sur les conditions d'embarquement, le port de Cancale, la Houle, se met en grève, mais avec une situation de vraie émeute sociale pendant 3 semaines. 3 semaines avec un mouvement alors extrêmement fort, avec des formes de violence d'ailleurs, où on attaque des bateaux, on attaque des demeures d'armateurs. Il y a un climat de révolte sociale à Cancale pendant 3 semaines, au point d'ailleurs, pour vous donner une indication, c'est qu'on déplace plusieurs régiments de gendarmerie, de la troupe, un torpilleur de Brest, etc., et que le préfet d'Ille-et-Vilaine vient une semaine à Cancale. Donc c'est vraiment un événement majeur, qui a été analysé par d'autres que moi d'ailleurs, hein, c'est un épisode connu, mais avec une solidarité, et alors à Cancale, effectivement, en première ligne, on le dit dans des témoignages que j'ai lus de commissaires de police, les Cancalaises au premier rang, hein, je dirais, qui sont bien connues, pour ceux qui connaissent un peu l'Ille-et-Vilaine, pour avoir un tempérament solide, et cela assis effectivement sur cette société extrêmement soudée de la communauté maritime de Cancale. Et est-ce qu'on peut comparer ça un peu à ce qui se passait à Douarnenez, où les femmes étaient très actives et dans les mouvements sociaux aussi? Oui, absolument, parce que, y compris à Cancale comme à Douarnenez, les femmes n'étaient pas des paysannes à la Houle, c'était des femmes qui avaient une activité. Alors, à Cancale, elles participaient à l'activité des huîtres. Elles participaient d'ailleurs à la pêche aux huîtres et à l'ostréiculture qui est en train de naître, là. Et à Douarnenez, je vous rappelle que ces femmes n'étaient pas des femmes de marins. Elles étaient femmes de marins, mais elles étaient aussi ouvrières d'usines. Là, on est dans un prolétariat industriel sur toute la côte sud de Bretagne, avec des mouvements sociaux qui sont des mouvements à l'usine. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est des femmes, mais dans un contexte social particulier, qui n'est pas tout à fait le même, mais où effectivement les femmes à Cancale comme à Douarnenez, ou Concarneau, où les femmes ont une activité professionnelle. Elles sont engagées dans une vie et pas seulement au foyer. Et dans le monde ouvrier. Oui. Alors, Cancale, ce n'est pas le monde ouvrier, mais elles ont une activité en tant que telle. Ouais. Merci. Il y avait, je crois, une autre question derrière. Je ne vois pas, je ne vous vois pas. Monsieur. Il me semblait avoir entendu que, en fait, il y a certains marins, enfin certains matelots pour embarquer devaient payer et pouvaient même se retrouver en dû vis-à-vis de l'armateur si la pêche n'avait pas été bonne. Il se peut qu'il y ait eu des dérives comme cela. Enfin, globalement, quand même, c'est pas le cas. Donc, il y a pu avoir des situations limites, mais la règle, quand même, généralement pratiquée, c'était que l'armateur recrutait et payait des avances. Simplement, après, ce qui était incertain, c'était le résultat final, c'est-à-dire le deuxième temps du paiement après la campagne. Et les conflits qu'on voit se développer début 20e, là, portent justement sur la manière dont l'armateur, calculait, alors avec une grande opacité. Hein, c'est-à-dire, en fait, face à des marins qui étaient quand même assez frustes, avec un niveau d'éducation faible, armateurs et capitaines, arrivaient dans certains cas, pas toujours, mais pouvaient effectivement masquer la réalité du produit de la pêche. Il y avait des modes de calcul qui étaient quand même très discutables. Et donc, c'est un des facteurs qui va expliquer les tensions sociales entre 1907 et 1911, lorsque les marins vont être pris en main aussi par un certain nombre de responsables en train de syndicaliser le monde maritime. Donc, mais qui ont une capacité à analyser les choses, à analyser les contrats d'engagement, à voir comment se fait le partage, et qui vont dire, mais il n'y a pas le compte. Et donc là, effectivement, on verra se développer des tensions sociales tout à fait fortes. Alors, cela bougera, je n'ai pas le temps de faire un cours global là, sur l'histoire sociale du monde maritime, mais notamment au moment du Front populaire, il y aura modification des conditions de l'acte d'engagement que j'ai présenté là, dans le PowerPoint. C'est un contrat 1936, avec des règles, et c'est en 1936 que, sur les navires, on va pouvoir désigner, par élection, 2 délégués du personnel, 2 délégués marins, hein, donc qui peuvent discuter avec le capitaine ou l'armateur.
Donc il va y avoir des évolutions et le mouvement de syndicalisation dans les années 30, à la fois venant de la CGT, mais aussi du monde du syndicalisme chrétien. Je rappelle quelqu'un comme le père Lebret, par exemple, a joué un rôle important dans la syndicalisation, dans la zone Malouine. Donc il y a tout un mouvement là de syndicalisation et d'élévation de la capacité de résistance du monde maritime à partir des années 30. Merci. Alors, une peut-être toute dernière question, monsieur, puisque je surveille ma montre du coin de l'œil et le temps passe très, très vite. Bonsoir. Je voulais savoir si un marin décédait pendant sa campagne, est-ce que sa part était payée à la famille au retour du... Oui, oui. Oui, quand même. Oui, ça, c'était un acquis. Je crois que là n'était pas le problème. Je crois qu'il y avait quand même il y avait des règles, d'une part. Enfin, il avait signé un contrat d'engagement, hein, mm-hmm. donc qui était opposable par sa veuve ou ses héritiers. Hein, donc là, il n'y avait pas de problème. Il était, ses avances lui étaient garanties et il y avait une participation sur le produit de la campagne. Alors, peut-être au prorata du nombre de jours où il avait travaillé, là, il faudrait voir dans le détail. Pas forcément. Ça dépendait, là, je pense, d'arrangements bateau par bateau. Non, je crois que là, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de discussion. Il y avait quand même, face au risque de la mort en mer, mais qui est un risque qui n'est pas une hypothèse comme ça exceptionnelle, ça fait partie de la norme. Il y avait des règles qui étaient établies, qui garantissaient. Alors, je rappelle aussi que les marins, c'est un de leurs avantages, ont été les premiers à bénéficier d'un système de protection sociale garanti par l'État à travers la Caisse des Invalides. C'est-à-dire qu'il y avait, au-delà du décès, il y avait effectivement... les invalides payés par une caisse gérée sous l'autorité de l'État, mais ils payaient en contrepartie déjà une cotisation. Ils ont été en quelque sorte les ancêtres de la protection sociale, ou les premiers bénéficiaires de la protection sociale en France ont été, à partir de Colbert, les marins. Oui, d'accord, merci. C'est pour ça qu'ils gardent leurs régimes spéciaux aujourd'hui. Ils l'ont bien mérité. Mais c'est un autre sujet. Pas tout à fait. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous les deux et bravo. Est-ce que vous m'autorisez une petite annonce pour prolonger peut-être toute cette évocation? Le Musée de Bretagne propose le 6 décembre un café histoire qui présentera un disque consacré aux chants de marins de la côte nord de Bretagne. Donc ça sera l'occasion de parler de la culture orale un petit peu, qui n'a pas pu être évoquée dans le détail, mais c'est inévitable. Donc il y a cette occasion, le 6 décembre prochain. À quelle heure? À 18h30. Là-haut, au café des Champs Libres. Merci. Et puis toujours l'exposition, donc à voir jusqu'à fin avril. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, donc un nouveau rendez-vous des Mardis de l'Espace des Sciences, qui sera consacré au sommeil avec deux intervenants, Bernard Lobel et Jean-François Pinel, donc du CHU de Rennes, qui entameront un cycle de conférences en partenariat avec le CHU autour de questions baptisées Allô Docteur, donc le sommeil, la semaine prochaine à 20h30. Je vous remercie.